Salut à tous. Oui. Non, coupe. Sur le radio. Ça va, t'as pas mal. Si à ton retour radio. Dans notre radio. Pour moi, 94, il a pris sa fin de service. Hein. Quoi? Donc, il va avoir un rappel encore. J'en ai marre, je fais que ça de faire des rappels. Bienvenue sur la Bien pris. Remplacera 94 sont les qui sont du même grade. Bien reçu, je transmets ce message. Qu'est-ce qu'il chante lui? Je sais pas, je suis une star, il m'appelle tout le temps. Bonsoir. On n'entend rien. Il parle plus fort. Hein. Ta radio est très faible, 01. Ça va, 52. Ça va, et toi? Ça va, ça va. 02 prise de sort. Bonsoir. 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 Mais y a pas la formation conduite là? Après. Ouais, bah dispatch. C'est dans 5 minutes. On va même partir en patrouille. Hein. Non, mais il faudrait déjà que 09 il se réveille. Ouais. Attends, je vais essayer de le réveiller. Il est en semi-réveil. Il est en semi-réveil, mais bon, s'il reste sur le semi-réveil, c'est compliqué. Oui. Oh, on a de la retrouvaille là. Il y a un poteau qui cache la tête. Ok, c'est très à tous, c'est le dispatch pour la formation. Ah, 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 ah,
Pourquoi il y a des véhicules qui sortent pendant qu'on porte son... Pourquoi il y a des véhicules de sortie dans le garage? Oh, c'est juste moi qui viens d'arriver avec mon véhicule personnel. Bien pris. J'ai un robot qui me suit là, ça me fait peur. Je vais le mettre dans un coup de taser, ça va l'arriver. Prise de service KD16. Bien pris, salut. Lui, il a pas compris. C'est bien pris en premier, après. C'est revient au même. J'aurais fait cette dispatch pour la formation. Est-ce que c'est bien reçu pour 16? Ça revient au même, 17, fais pas chier. Désolé. Tu veux me voir toi? Ouais. T'as un GoPro? Oui, mais je peux la couper si tu veux. Ouais, bah, juste couper le son, t'écoutes ce que j'ai à te dire, tu notes et tu me dis ton avis, et voilà. Vas-y. Ça va ça? Vas-y, je t'écoute. Bonsoir. Attends, parle un peu plus fort parce que je t'entends. Suggestion. J'ai entendu radio, t'inquiète. Ouais, je t'inquiète, ça va être en règle. Ouais, je comprends. Oui. Non mais ça je vais en parler avec 09 aussi parce que...
Donc on fera ça, je sais pas, ça dans la soirée ou demain ou dimanche avant la cérémonie, histoire de tout mettre en ordre. Ouais, on va se trouver un canot, ouais. Bonsoir à tout le monde. Bon. Du coup, est-ce qu'on a des nouveaux arrivants là? Non. 01. 01. Oui, c'est tout. Ok, très bien. Bon, on va écouter. 77 ton téléphone, s'il te plaît. Va falloir vraiment que vous arrêtiez avec le téléphone. Ça va être dispatchant, honnêtement. Je vous dis sérieusement. On va faire un rappel que 10 a fait à la tempête de 21h ou 20h. Toute personne qui sortira le téléphone pendant un dispatch, ça sera sanction immédiate. Vous avez juste le droit de refuser l'appel, mais rester au téléphone, c'est négatif. Et malheureusement, ça m'est vu d'en venir à ce genre de précautions. Et on va faire ça si on doit avoir un dispatch carré. On va retrouver les règles de l'école, hein. Bon. Du coup, je disais, pour 01, je vais répéter. Donc, nous partons en formation conduite sur l'aéroport. Et puis, pourquoi pas ensuite enchaîner avec le port aussi. Pour voir ce qu'on peut faire au niveau des poursuites. On est véhicule personnel, hein, il s'est dit. Pas besoin de pause. Et puis... Alors, on va y aller sûrement en convoi, je pense. Soit en convoi, soit... Ouais, on va faire un convoi. D'accord. Vaut mieux. Oui, sûrement, ça les apprendra à faire le convoi en même temps. Petite formation voilà. Convoi en même temps. Comme ça, ça va faire des piqueurs de rappel. Donc, je te laisse faire des odames. Ouais. Et puis, bon, je vais préparer mon véhicule en bas. Hein. On se rejoint en bas. Parfait, 10 à toi pour le trello. Ouais, bah comme avant la tempête. Non, j'ai fait quelque chose. Ouais, bah j'ai vu, mais t'inquiète. Donc c'est parfait, on peut y aller, messieurs. Ouais, ça arrive. Ouais. Ah oui, c'était pas... Et sinon, j'ai ma Buffalo, moi. T'inquiète. Buffalo, laisse tomber. Hein. Moi, j'ai pas la Buffalo, comme ça. Ah oui. Vas-y, monsieur, vas-y. Aïe. J'ai pas mon véhicule, il est en fourrière. T'inquiète. Ah.
C'est pas cool ça, dit. Ça je retiens. Pourquoi? Le téléphone dispatch. Comment ça c'est pas cool? C'est pas cool. 10? Oui. T'as fait le très lourd en fonction de du convoi? Non, c'est 13 qui l'a fait, mais on peut le remettre en l'ordre du convoi. Ouais, c'est au fond, on prend cet ordre-là pour pouvoir. Réitérer la prise de service. Bah, je vais me mettre derrière, sûrement je vais vérifier si tout se passe bien. Ouais. Ouais. On doit pas mettre une banane devant ma voiture par hasard ou pas? C'est chaud, si je suis. On suit le convoi en fonction du trello comme il est mis. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Avec 14 et 16. Bien reçu. Et une crône quoi. C'est 13. Bon, de 09 à tous, vous connaissez la chanson, régulateur à 70 pour tout le monde. Et puis je suis en tête de convoi, je préfère prévenir à tout moment, je passe dans le monde de Dernia, donc le lead convoi sera 07 qui est juste derrière moi, vous arrêtez pas pour moi. J'aime bien le limite, c'est-à-dire les personnes le met. Non, parce que ça bloque les véhicules après. Très bien, et bah, je vais demander un appel général, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Très bien, top. Oh. Bah alors 10. C'est bon, tout fonctionne. Tu vérifies si le pare-choc a été bien mis? C'est ça, je le refixe. Ah. Donc on va ralentir un peu pour récupérer les retardateurs. Affirmatif, je manque un véhicule. Ah merde, c'est pour toi. En train de se battre avec les portes. Ah oui, le convoi ralentit hein, et je suis clairement pas derrière. Pas de convoi, on va. J'étais clairement pas derrière. Hein. Ouais. C'est bon, il nous a rattrapé. On prend. Ça va tirer gauche. Ah, je peux apporter ma touche ou pas sur le truc. Hmm. Genre, tu vois, là, on va faire des tests et tout. Oui. Genre, s'il y a des astuces ou quoi, on peut les dire entre palettes, non? Bah oui. C'est le but, là, justement. C'est le but de ceux qui ont des astuces par rapport à d'autres, de les mettre au point. Parce que moi, tu vois, dans les genres de voix comme ça, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, enfin, pour moi, la théorie la plus simple et la plus logique, c'est en gros, t'as le lead, t'as le deuxième, il doit suivre tous les mouvements du premier, genre vraiment en fait il doit le... Il tourne à droite, il va à droite, il s'arrête, tu vois, ça. Le troisième, il suit le deuxième, en fait tu suis la voiture qui est devant toi et tu fais exactement le même geste. Ouais. Et comme ça en fait t'as pas de dysfonctionnement du convoi. Et ouais. C'est pareil, il y en a, ils collent trop, tu vois, regarde dehors. Ouais bah oui, c'est pour ça que je prends mes distances au cas où. Surtout qu'il y a des problèmes de vie là, c'est souvent, du coup bah ça fait percuter de temps en temps et c'est pas fou quoi. Pour droite serrée, on peut augmenter le limitateur à 90. C'est la droite serrée, ils étaient encore sur la gauche à la bande. Pourquoi il double pas? T'es d'accord qu'il y a un véhicule civil là? Non. C'est derrière. Oui, c'est une banane. Ok. C'est la banane en cours. S'il vous plaît. Il a pas des gyros sur son véhicule?
Si, si, mais ils sont très faibles, c'est comme la Buffalo, ils sont très faibles et on voit rien. Ah ouais, je crois voir la loupiote. Tu vois juste, en fait, ils sont légèrement à gauche derrière le pare-brise, donc ouais. Derrière la lunette arrière. Et même sur le pare-brise, t'en as juste deux petits au milieu, et ils sont vraiment pas visibles. Mais tu peux pas en rajouter normalement, tu sais, avec les. Je pense que ça a été demandé, mais bon. Mon Dieu. Est-ce que c'est ça? Très bien, bon, on va commencer la formation dès maintenant. Donc, on commence avec une petite piqûre de rappel de convoi. Donc tout le monde sort de son véhicule. J'ai vraiment besoin d'un rappel. Hein? J'ai vraiment besoin d'un rappel. Eh, ça fait pas de mal à une mouche. Ah merde, personne n'a bougé, c'est bon, on peut vous mettre en ligne. Eh, vous avez un peu foncé dans le dans les chignons, ou putain. Ah, c'est les problèmes de ville. Je les ai vus avancer et au final non. Ah, c'est faux ça. C'est la rue comment. Non, par rapport au véhicule. Nanana. Ah, qui a pas compris. Dis, c'est de moi, ça fait peur. Oh là là. Ce que je viens de vous faire faire, c'est entre guillemets un convoi de cérémonie. Dans le sens où c'est pour faire joli, tout le monde va se mettre en ligne au niveau de son véhicule. C'est une sorte de présentation, vous voyez ça comme ça. Mais du coup, le but est d'être le plus simple possible et le plus rapide aussi. Donc c'était très bien ce que vous avez fait au niveau des sorties de véhicules, c'était à peu près synchro. Maintenant, après pour la mise en ligne par rapport au véhicule, bon, ça c'était autre chose qu'on va revoir plus tard. Enfin bref, c'est pas là, on n'est pas là pour ça prioritairement. Donc vous pouvez tous vous rapprocher que j'arrête de parler radio. T'es où sur la ligne stop? Bon, du coup, ce qu'on va faire, on va revoir les conditions de conduite. Par exemple, en poursuite, en convoi, en patrouille normale, parce que bon, apparemment c'est pas clair pour tout le monde. Les tactiques à avoir lors d'une course poursuite, lors d'un. Ben, entre guillemets, un backup, hein, quand on veut aller en renfort sur une poursuite, ça sert à rien de mettre pied au plancher et de foncer comme pas possible. On va revoir aussi les anticipations de poursuite, les calls à avoir, comment gérer les calls radio, qui reste sur poursuite, qui ne reste pas, etc. Donc déjà pour commencer, on va commencer par le plus chiant, on va commencer par le théorique et après on mettra en pratique. Donc je vais commencer par le plus basique. Vous l'avez déjà vu, on l'a fait ensemble. La formation quinconce. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est? On va faire comme à l'école, vous allez lever la main. 01. Sergent, on va laisser la chance à nous. 01, vas-y. Du coup, formation quinconce, ouais, c'est bon. Normalement, formation quinconce, bah, c'est en décalé. Genre, s'il y a deux voies, bah, un voie de gauche, un voie de droite, un voie de gauche, un voie de droite, un voie de gauche, un voie de droite. Très bien. Donc ça on l'utilise quand il y a quoi? De quoi? Ça on l'utilise quand il y a une formation de route comment? Quand il y a deux voies, c'est ça que vous avez? Bah, principalement quand il y a deux voies, parce que sur une voie ça va être compliqué de... Bah, ah bah. Bon, vous pouvez faire sur plusieurs voies, hein. Par exemple sur les autoroutes, vous pouvez, s'il y a trois voies, vous mettre sur les trois voies, etc. Hein. Ok, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que doit faire le lead de poursuite? Dis-moi, rappelle-moi ton matricule, excuse-moi. C'est, voilà, excuse-moi, c'est, vas-y, dis-moi. Christophe, parle bien fort. C'est tout bon?
Ouais. C'est tout bon. On m'entend. Donc le lead doit donner des calls radio pour prévenir où va tourner le suspect ou autre, ou dans quelle direction. Premièrement, oui, il fait autre chose aussi. Il doit faire autre chose. Il signale du coup le code directement de la course. S'il y a un refus d'obtempérer. Oui. Donc ça, la radio, c'est tout bon, mais il a une mission assez spéciale aussi. Oui, Kita. Garder le suspect à sa portée. C'est l'intention est bonne, ouais. C'est pas exactement ça, mais tu commençais bien, oui, 75. Garder quand même de la sécurité pendant la poursuite. Non, on est toujours par rapport au suspect. Il se passe quelque chose avec le suspect, le lead véhicule. Il y a un truc. La sommation orale. Non. Bon, on va faire plus court. Le lead véhicule en poursuite, je vous le reproche pas étant donné qu'on l'a jamais réellement vu. Le lead véhicule en poursuite doit toujours être derrière le suspect. Plein de fois, je vous ai vu récupérer le lead poursuite en passant devant le véhicule qui est devant vous pour poursuivre et être derrière le suspect. Imaginons que le scout qui est derrière m'a banalisé et le lead poursuite parce que c'est lui qui vient de le signaler radio. À partir du moment où il n'a pas un accident, un empêchement, un mal de tête, plus d'essence, etc. À partir de son... Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui doit être derrière le véhicule. Toutes les autres patrouilles qui viennent en renfort, elles font ce qu'elles veulent. Elles se mettent en quinconce. Elles restent derrière lui. Elles essaient d'anticiper la poursuite en bloquant plus loin. Mais... elle fait ce qu'elle veut, mais la seule chose qu'elle doit respecter, c'est de laisser le scout en lead poursuite. La seule exception qu'il peut y avoir, c'est si c'est un véhicule sportif, super sportif, etc. et que la VIR est disponible. Là, à ce moment-là, oui, c'est la VIR qui récupère le lead. Mais en attendant, tant que voilà, le véhicule de lead ne vous l'indique pas ou qu'il ne peut pas, qu'il ne peut plus l'assurer, vous restez derrière. C'est lui qui gère. Ok ? Merci. Ok. Oui, 52. On peut faire des remarques sur ce que vous venez de dire ou pas du tout ? Oui, dis-moi. Pour moi, je suis pas trop pour que le lead reste tout le temps derrière. Pour moi, le lead peut donner à celui qui est derrière son lead pour, par exemple, se mettre devant lui et le faire freiner ou le faire paniquer s'il voit que c'est un conducteur, c'est banal. Ok, super, tu te mets devant le suspect, te fonces dedans, t'as plus de coffre, et si t'as des collègues à l'arrière, ils sont crevés ou peut-être dans c'est un bon état bon pitoyable. Mais ça me rien quand même. Avec des distances de sécurité, tu passes. Alors, non, il n'y a pas de distance de sécurité. Voilà, deuxième règle, justement, de sécurité à surtout respecter. Quoi qu'il arrive, peu importe dans quel véhicule vous êtes, que vous soyez à pied, en vélo, en poney, je m'en fous. Peu importe. Vous ne devez en aucun cas vous mettre devant un véhicule de suspect. Que vous êtes en train de l'arrêter, que vous êtes à 10 autour du véhicule à le braquer, que vous, justement, vous essayez de le faire freiner pour un, justement, qu'il s'arrête en vous mettant devant avec votre véhicule. Non. Il faut arrêter ces conneries. Reçu. Et l'individu n'aura pas de pitié. S'il veut vous percuter et qu'il engage en FUDOP, il va vous percuter, s'en fout. Exactement. Il suffit que vous soyez... enfin, voilà, vous allez passer sur le capot hein, si vous êtes devant et puis que moi je suis un suspect, que moi je vais m'échapper, moi je m'en fous hein. Moi je vous fonce dedans hein. Ma vie avant tout. J'ai une question. Oui. Salut Wizen. Est-ce qu'on peut faire la méthode entonnoir ou pas du tout? Oui. C'est quoi? Bah on fait une formation pour. D'ailleurs, est-ce que tu peux. Pour les agents, parce que en course poursuite ou quoi que ce soit, ils sont. Pour ma part, la méthode entonnoir, c'est deux voitures qui se mettent de chaque côté de l'autre voiture et essayent de la faire freiner. Pour la bloquer. Merci pour ton follow. Exactement. Donc pour répondre à ta remarque 52 aussi, il y a quand même un moyen d'essayer de faire freiner le sujet. C'est par les côtés. C'est pas par le devant, c'est pas le côté. Par le flanc. C'est chaud, il a raison. Imaginez-vous, vous savez tout ce que c'est un pit. Ça me met devant. Oui, parce qu'on essaie toujours de faire ralentir le véhicule devant, mais personne n'a les formations. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, comme il y aura des formations,
Le premier qu'on verra devant, bah, on reprochera à cette dame-là et on aura une explication dans le bureau. Progressivement du véhicule, sans sauf le si c'est un haut commandement qui se met devant, s'il si sait ce qu'il fait. Mais... Pour essayer de lui faire peur et justement le faire freiner ou le faire justement taper le décor. Si bah, on n'a pas trop le choix parce que. C'est trop dangereux et qu'il faut l'arrêter au plus vite. Si on leur fait pas de formation, ils ne savent pas conduire. On va l'exercer, vous allez voir, je vais vous expliquer plus précisément ce que c'est la méthode d'entonnoir. Et puis ça va rentrer. Et j'ai une question, excusez-moi. Oui. Et si la personne est par exemple trop dangereuse, est-ce qu'on peut par exemple se mettre à côté de lui et puis essayer de pour qu'il tourne par exemple dans notre direction et qu'il prenne un arbre ou autre pour qu'il puisse s'arrêter si la personne est trop dangereuse et que la poursuite dure trop longtemps? Alors, je veux bien comprendre que vous voulez protéger les citoyens, mais vous servir de votre véhicule en guise de entre guillemets bouc émissaire et puis de bélier, enfin peu importe. Non. Non, c'est pas le but, le pousser, mais par exemple, bloquer la voie de gauche et pour pas qu'il puisse tourner à il gauche. Pas si non, 19, il est pas là. Il nous a dit qu'il avait un empêchement jusqu'à 22h. Alors, oui, à ce moment-là, mais c'est uniquement par exemple si vous avez anticipé la poursuite. D'accord, ok, oui. Okay. Parce que si vous passez devant. Mais enfin, s'il arrive si vous voulez passer 22, à gauche, ouais, c'est dans un quart d'heure. S'il arrive, j'irai le chercher. Vous respectez pas la première règle. Et okay. Là, vous mettez en danger la vie de vos collègues et la vôtre, ainsi que celle du suspect. Ouais. Comprenez que la plupart du temps, sur les courses-poursuites, on est à une vitesse de minimum 110 km/h. Que à 110 km/h, vous risquez le décrochement du cerveau dans la boîte crânienne si vous avez un accident de face. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le cerveau qui se déboîte et puis sans plus d'image. C'est la mort instantanée. Donc comprenez que vous risquez votre vie au moindre et vous risquez la vie de vos collègues ainsi que tous les autres citoyens. Ça, c'était pas de votre faute, hein, bien évidemment. C'est de la faute du suspect, mais voilà, faut pas jouer au con avec la. Quand vous êtes en poursuite, justement. Ensuite, ça, on va le voir aussi après. Est-ce que quelqu'un connaît la méthode rideau? Non, personne. Ok. Donc le rideau, c'est une procédure d'arrestation. Elle est souvent utilisée sur des autoroutes ou justement sur des courses poursuites. C'est une façon de protéger les effectifs sur l'arrestation, par exemple d'un coup de feu ou carrément justement du véhicule qui vous rentre dedans, etc. Le but est du coup rassembler tous les véhicules de patrouille, les uns à côté des autres, d'ouvrir les portières avant du véhicule et de se mettre derrière. De façon à former un rideau derrière le suspect, ou autour, mais pas devant, hein, sur les côtés et derrière. Et justement, faire les sommations et ensuite aller en groupe. L'arrêter avec tous les agents qui sont derrière, toujours au niveau du rideau, pour vous couvrir. Peut-être que c'est un peu bizarre, un peu compliqué à comprendre, là, de façon théorique, mais vous allez voir que ça aussi c'est très simple à comprendre une fois qu'on va l'appliquer. Voilà les trois choses qu'on va voir en premier. Et ensuite, en accompagnement avec la méthode rideau, on va voir comment arrêter un véhicule qui vient de s'arrêter. Justement après 10 minutes de poursuite et il s'est arrêté le suspect dans son véhicule, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou justement arrêter quelqu'un qui est simplement dans son véhicule. Donc, est-ce que 10, t'as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à rajouter pour ça. C'est pareil pour les contrôles routiers. Les contrôles routiers, on va voir ça après justement. Okay. Ce sera justement pas la méthode rideau parce qu'il y a des points à voir. Ok, donc si. Ouais, ça voilà. Okay. Est-ce que quelqu'un a des questions? Okay. Bonjour, excusez-moi du retard. Casque.
L'information dure combien de temps à peu bon, près? Du coup, celui qui sera 94, je ferai un plaisir de résumer tout ce que je viens de vous entre guillemets, aucune apprendre. Idée. Donc, je pense qu'on est parti jusqu'à. Patrouille. Je suis à la tempête. Je vais vous briefer en temps réel. L'exercice est simple, c'est une course poursuite. Je jouerai. Non, Div va jouer, parce que moi ça va se compliquer. Div va jouer le suspect. Et puis moi je vais essayer de vous briefer. Ok? Ma fille. 10-4. Et évitez de me rentrer dedans, ça m'arrangerait. Ouais, doucement. De toute façon, on va commencer doucement. Non, je vais prendre sa sultane. Hein. De toute façon, si on doit changer, on va changer les conducteurs. Hein, donc... Ouais. Décidément. Ok, bon, du coup, le scout, étant donné que t'es en premier, dis si je te laisse aller faire ce que tu veux, le scout, tu simules une patrouille et puis d'un seul coup, voilà, tu vois 10, tu le pars en poursuite. Vas-y, va faire ta patrouille, les autres, vous restez là. Non, vous savez quoi, 14, tu vas t'éloigner. Mais il va pleurer. C'est le scout, je le mets à l'amende direct. Vous baladez dans l'aéroport, si vous attendez les corps. Si t'arrêtes, tu fais quoi? Il n'arrêtera pas. Bah je le braque avec la M4. Non, viens, on court à pied. Non, logiquement ils sont pas censés nous arrêter. C'est vraiment formation, non, on le savoir dans comment... le pire des cas. Ah oui, bah je le braque avec la M4. Hein. On dira que tu lui as laissé une chance, tu vois. Comme je rappelle, c'est une reconstitution en temps réel. Hein. Donc, comme si on était réellement pas tout. Donc je compte sur vous pour faire une radio habituelle. Je suis vraiment sans bruit comme un abouti en plus. Le 13 pour tous, si de préférence vous avez un cadet ou un officier ou un officier dans vos patrouilles. Ah, tu sais qu'il passe là, derrière là. Y'a moyen qu'ils se bouffent des trucs, hein. Non, mais je vais même faire le con ici. En moi les pneus, c'est toi qui les paye. Oui. Non, c'est le SP. Non, c'est moi. Oh, oh. Donc en soi, là je suis sur un parking, je fais de la merde, ils s'en branlent. Adam, 75 ans. Qu'est-ce qu'ils sont? Bon, déjà ça commence mal. Réitérez s'il vous plaît. Adam, nous avons un engagement à 147 sur une brave adoptrice. 24, s'il vous plaît. Ciao! Ah, c'est vrai que ça tombe. Il y a une droite, bon. 977 de même. T'inquiète. Après, en virage, elle est nulle, la mienne, elle glisse, non? Ouais, surtout qu'ils ont 44. Le principal à l'aéroport. Ah ouais, ça peut même pas. Ils sont... on se rapproche. Sans pas se bloquer entre eux. Ouais, Adam 77, on passe en deuxième position. Il est au courant qu'il a un 4x4 ou pas? Non, mais je crois qu'il est pas au courant. Regarde, regarde. Je peux faire maintenant la radio. Un 0-2, ça fait un très bon call. J'ai oublié de vous citer que, imaginez-vous que en course poursuite vous formez un petit train-train, d'accord? Donc là, Adam 77 a formé le deuxième. Ah oui, tu sais conduire, mais je suis un bon pilote donc. Il restera toujours en deuxième. On a nos pilotes à se rituer. Le deuxième, il fait ce qu'il voulait. Le premier reste toujours en premier. Position, s'il vous plaît. Sur la deuxième piste, direction nord. Adam 16 en troisième position. Adam 15, on reprend la deuxième position. N'hésitez pas à faire des codes de... T'as de l'essence? On a même pas vérifié s'ils avaient de l'essence, hein. Pour l'instant j'en ai, t'inquiète. Du hangar principal, ils rentrent dedans. On va s'arrêter par direction la piste. À Adam 75 en deuxième position. Et il fait le tour là, c'est très risqué. En formation, la deuxième Adam. Tu sais le conduire, c'est normal. Hein. Ah, par contre, là, t'as fait de la merde. On a dit quoi? Non, mais ils explosent. Une deuxième Adam en soutien, ils vont peut-être tenter le barrage. T'as la porte derrière.
Dernier code 2. Il est sorti de l'aéroport, il est au niveau de l'entrée de l'aéroport. La zone 13, il re-rentre dans l'aéroport. Ok, l'entrée de l'aéroport. Par chance, c'est donc pas ça. Ouais, c'est okay, pour ça. La première dame, reprenez. La 75, on va s'insérer sur. En fin de page. Effectivement. Ah, ils m'ont clairement, littéralement foncé dedans, mais bon. On est à gauche au fond de l'aéroport. C'est quelle la dame en lead? 75. La dame 75. Allez, ça veut vraiment. Ça me fait vraiment ah, là. On a fait contact. 75, il repart vers le. J'espère qu'il y a un mécano parmi tout le monde là-bas. Ah, mais tout ce qu'il y a derrière. Putain, en fait, vu que j'ai de la chance, continue. Madame 77, on passe deuxième place. Oui. Ouais, mets-toi un régulateur parce que tu les frappes, les pauvres. Pourtant, je ralentis, hein. Je me mets 200 max. Non mais mec, ouais, mais fais mettre en régulateur dans sa pente et puis Y'en a pas un qui traverse. Parce que les pauvres ils ont même pas envie de faire des formations qu'un con, ils ont pas le temps de faire tout ça. Le terrain il part pratiquement. Adam 75, le suspect repart vers le fond de l'aéroport. Ouais, je pense que c'est bon. Vas-y, attends, moi je l'ai brûlé. Adam 75, proposition d'entonnoir. Affirmatif. Il m'a dit de ralentir à 130, c'est nul. Ouais, Adam 75, on se met à droite sur une grande ligne. On a vu, j'ai envie de taper un demi-tour juste pour lui. C'est le bordel radio. Ouais, mais là, mec, je te foutrais un coup de frein à main, on partirait derrière eux. Voilà. C'est il tout a freiné, je suis pas freiné. Demi-tour. Comment les faire tourner en bourrique? Adam 77, on prend le lead poursuite. Adam 75, deuxième position en carré 11. Ah, mais ça, ils savent pas qu'on peut freiner aussi. Mais tu sais que moi je suis au courant. C'est pas. Ah, je sais pas. Allez. 09, c'est la gauche, non? Non, mais 09, il fait exprès d'être à l'extérieur. La dame 75. Mais non, mais il a tapé les conteneurs. Ah. La dame 75, possibilité d'entonnoir. Prochaine. Prochaine ligne droite. Alors il est tout seul, il veut faire un entonnoir tout seul. Je vais commencer la formation orale. J'entends rien. Ah, faut qu'il se rapproche déjà. Madame 75, première place. Le suspect veut reprendre au début de l'aéroport. Au début de l'aéroport, mais je suis clairement pas au début. Le col le plus nul au monde. Madame 77, on fait les formations orales. Tu as arrêté où, première sommation? Même pas en rêve. Droite pour l'entonnoir. Ça tourne à droite en direction de l'angle. Ils sont fous, ils ont cru que je m'arrêtais. Arrête-toi, je ne sais pas. Allez, de on reprend le lead. Il fait demi-tour, il fait demi-tour. Il a acheté cette stick. Mais ouais, en fait il se colle trop. La banane a très belle anticipation de poursuite, par contre annonce-toi. Première sommation effectuée. Je suis exprès de rouler dans l'inter pour me ralentir en plus. J'aurais dû prendre la coupe. Après on est en deuxième position. Putain, en fait, j'ai que de la chance quand on me poursuit. C'est permada quand même. Je sais pas si c'est de la chance, c'est juste bah là, après on a vu le terrain, tu vois, on a. Ah, Denis, on la voit bien là-bas, non? Ouais, bah ouais. Mais que. Arrêtez-vous! Allez, monsieur, on s'arrête! En grandeur nature. Bah, je m'arrête! Bah ouais! On reprend le lead. Ils sont bizarres, ils ont dit de s'arrêter, bah je m'arrête. Direction ont... le. Direction de hangar de tout à l'heure. Ah oui, moi le petit. Alors le véhicule s'est arrêté, mais il a refait le tour. Et la Krone par contre faire ce qu'elle a fait. De quoi là, t'as pas vu la Krone passer clairement devant nous? Je l'ai pas vu, non, oui. Bon on va. Ah l'individu nous a foncé dessus littéralement. Négatif, c'est toi qui m'as foncé dessus.
fin de la course poursuite, le suspect se rend, ah merde, excusez-moi, donc t'es en train. Bon, le bref. Le suspect se rend, non, il reste dans son véhicule, le suspect. Donc vous allez former une formation rideau. Je vais vous montrer, je vous laisse vous mettre derrière en ligne, avec vos véhicules, bien sûr, sortez pas vos véhicules. Attends, comment ça, on m'a foncé, hein? Comment ça, j'ai foncé dedans, moi? Je comprends. Qu'est-ce qu'ils me font? Ah putain, c'est beau les véhicules alignés comme bon, ça. Ouais. Donc, vous voilà, exactement, vous mettez en ligne et vous laissez les véhicules, les portes des véhicules sortis. T'as juste tapé une grosse marche exactement. Arrière. Exactement. Ah, c'était parce que ça, essayer de vous recoller par rapport aux autres véhicules. Et ils savent pas laisser des portes ouvertes? C'est pas compliqué d'appuyer sur un bouton? Quel bouton? Bah, le bouton de la portière. Ah ouais. Bah t'es bizarre toi. C'est vrai, non mais c'est vrai. Moi j'appelle ça une poignée mais bon. Bah ça dépend de la voiture. Si t'es une Tesla c'est un vrai. Bon. C'est vrai, non mais oui, mais je viens d'y penser. Ouais, c'est vrai, t'as alors l'information rideau est très bien. Par contre il y a un truc qui me dérange. Prouvez c'est quoi. Moi je le vois d'ici. Le véhicule est pas encerclé. Négatif, non négatif, vous êtes pas assez pour l'encercler. Le RAM là. Non non, les 13 laissent les agents. Il y a un gros souci. Ils sont sûrement assez pour m'encercler déjà. En fait, ils sont un peu trop collés, moi. Ils sont trop collés, ouais. Non, 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 c'est le but de la formation rideau. D'être quasiment collé, histoire que les portes sortent des véhicules format rideau, justement. Un camarade de 4x4 est loin et il est collé à mort. Négatif. C'était la première règle, les gars. Le véhicule est face à vous. Quitte d'accélérer comme un con. Voilà, la bana. Ciao, bye, Sim. Négatif, vous êtes en face de lui. Allez-y, prenez contact. Attention, je vais prendre contact. Ah, il a appuyé sur l'accélérateur. Je me fais foucher. Vous n'avez pas le temps de riposter. Et en plus, tir allié parce que du coup. Trop loin, non, c'est juste que là si je veux accélérer, j'éclate la voiture qui est devant et je percute les trois agents ou les deux agents qui sont devant. Échec. Je ne peux pas dire, mais il croit trop que c'est des auto-tamponneuses. Il a cru que c'était quoi ma caisse? Alors c'est normal que ce soit en effet. Il a cru qu'en fait les gens étaient partis. Maintenant vous connaissez la formation rideau. A vous d'envisager à la prochaine phase poursuite. C'est rare, hein? Ah, perso, moi c'est comme ça que je joue les trucs, hein. Ah bon, ils partent déjà en course poursuite, j'ai même pas fait une accès. C'est reçu. Eden 13 en 3ème position. Madame 75, oh. T'inquiète. Maman, il fait des lourds. Putain, et toi, t'es tranquille pendant ce temps-là, la formation Taras, hein? Ouais. Madame 75, ouais, par les radios. T'as reçu autant pour moi. Et je trouve que tu prends pas assez de risques. Tu veux pas aller à gauche, là, dans les hangars derrière? Non, t'inquiète. Ils vont pas comprendre ce que je vais leur mettre. Non mais là en fait tu fais des tout droits, c'est mais t'es non mais c'est pour qu'ils rattrapent, je vais foutre un gros coup de frein, ils vont pas comprendre. Je tenais à vous signaler qu'il faut annoncer radio avant la méthode entonnoir et puis demander si au de gradé si on sur poursuite si on peut le faire. Justement on va voir s'il y a la distance et s'il y en a un qui monte demain. Que toutes les unités soient prêtes, une en fait c'est complet, si plus moi, jamais je rigole de vous. Bah. Et voilà. Concentration, messieurs. Après, non, l'avantage. On prend le lead. Au moins, il y a même plus de feu sur la voiture. Ouais. Encore plus discret maintenant. Après, je peux allumer les gyros aussi, ça peut les aider. En garde, tout au fond. Non. Lincoln Zorn, c'est pas bien, de les aider. On peut les mettre en garde. Derrière les hangars. Oh la face! Ça sert à rien de se compliquer. Va aller jusqu'au bout. Ils sont tous nuls! Ça leur fait du parcours. Regarde! Voilà! Allez! Tu vois, moi j'ai. Non, mais tu vois! Ouais. Et là, le problème c'est qu'ils voient même plus mes feux. Hein. Là, ils vont même plus savoir quand je vais freiner. Mais il te reconnaît. Faites la sommation orale, on va pas faire du rôle. Adam 77, out. Ça me dérange, je prends
Mon but c'est de les éliminer. Je les élimine un par un. L'instant revenez au point de départ, vous restez sans bail là-bas. Et s'il m'a mis en conduite, c'est pas pour une raison, hein, pour faire le fuir. N77 et 09, pourquoi on fait out alors que c'est lui qui nous a touché et pas nous qui avons touché? Out. Oh putain, là c'est un bras, je l'ai vu. Bien, par où il vous a touché? J'avais peur que ça allait nous prendre. 15h, je reprends le point. La faute est où là? Par l'avant-droit. Ah, tu vois, 09, il s'est se placé. Ouais, ils ont compris la distance. Non, mais c'est 09, il est derrière. Attention, on va tourner à droite, droite. Gauche, on sous l'avion. Manque de position. Oh. Allez, demande d'entonnoir, j'ai besoin que la deuxième voiture vienne m'aider. Je prends la gauche. Il a commencé à bloquer à gauche. D'après, on se met au milieu à l'arrière au cas où. Après, le problème, c'est que là, tu vois, on a la radio, du coup, on sait s'il faut. T'as juste à tourner quand ils veulent faire un rigueur. Moi perso, quand je me fais poursuivre, je trouve qu'il me colle trop, c'est vraiment le plus gros problème. Eh oui, mais c'est pour ça qu'on l'a en... Ah, 77 et 75, vous pouvez récupérer la poursuite. Revenez. Actuellement sur la piste d'atterrissage secondaire. Pour la DM14, faites attention comment vous doublez, s'il vous plaît. Bien reçu. Encore, moi je vois plus rien, j'ai plus de feu, j'ai plus rien sur la voiture. Elle prend la première piste. Je peux pas essayer de faire des barrages ou quoi? On n'est pas encore en formation de barrage. Regarde, t'en as une qui est là-bas, je sais plus. Allez, on va essayer à l'arrêter là. 10, mets-toi en régulateur. Je suis bloqué à 100 là. Mets-toi dans ton noir. Je vais le voir par la droite. Anticipé. Très bien, très belle méthode dans ton noir. Maintenant, vous pouvez mettre les véhicules comme ça sur les flancs. Allez, mets sur un dessin. Voilà. Donc là. C'est une très belle arrestation les trois là. Du coup j'attends les aides, on va faire un code 2, les aides à mon renfort, vous venez. Merde, mais c'est les code 3. Ouais, 02 et 09 là, on a 77 qui est blessé. Suite à un choc. Ça va-tu un agent capacité médicale pas aller voir? Moi aussi je vais m'en occuper. Dépose-moi. T'es avec nous toi? Ah non, t'es 01 toi aussi tu l'es non? Bon, bon 17 du coup, ce qu'il faut faire là maintenant, ce qui est un peu semblable à la méthode rideau, que 07, toi, tu ne sors pas de ton véhicule étant donné que tu es en danger. Imaginons, moi, j'aurais eu un passager, je ne sors pas non plus. Donc, ce sont les agents autour, hein, ceux qui ne sont pas en danger, donc les agents qui sont derrière aussi, vous pouvez venir. Surtout, il faut apprendre les techniques avec deux véhicules. C'est ça. Entourer le véhicule suspect et procéder aux sommations. Allez, messieurs, on descend. Même s'il faut 07, tu peux passer par le siège passager pour descendre. Voilà, exactement. Et donc là, c'est une arrestation réussie. Tout le monde va bien. Personne n'est blessé, sauf ceux qui ont malheureusement pas respecté les règles de sécurité. Et le suspect qui m'a arrêté sans avoir démonté. C'est bon, vous pouvez arrêter de braquer vos armes sur votre capitaine. Hein, quand même. Allez, quand même. Ils en profitent. Bon. Allez. On va reprendre, sauf que vous inversez les rôles sur les conducteurs, passagers, radio et passagers à l'arrière, si vous. Plus 01, non.
Qui prend le... Vas-y. Voilà. Tiens, indice, laisse ton passager conduire, je vais faire le suspect. Vas-y. On change de bravado à poursuivre, c'est la mienne, tout en noir. Bonne chance, hein, c'est comme tu la connais pas. Allez, allez faire votre vie, etc. Il y a une patrouille qui me trouve. Et qui me mais en fait, tu crois, on est contre lui là du coup? Oui. Ok. Attends, me dis pas qu'il y a le régulateur. Non, c'est un peu agaçant. Non, mais j'aime bien. Il n'y a pas de régulateur. J'arrive à te calmer. Tu gères ton accès. Je vais pleurer sur leur conscience. Madame 14, le RACOT peut venir s'il vous plaît. On a besoin de vous en assistance fiscale. Vas-y, si on arrive. Un truc de minutes et puis on j'arrive. Après là toi en soi là t'es en véhicule de patrouille donc tu roules juste normalement et après quand tu pars en course poursuite tu te mets à fond. Ouais. Par contre comme tu connais pas le véhicule fais vraiment attention, c'est bonne accélération, zéro frein. Bah y'a des freins quand tu connais la voiture. Je peux faire un accès là ou pas? Attends, bah, il est à droite. Bah vas-y. Tu fais l'école ou pas? Non mais je crois. Non mais en plus c'est même pas lui. C'est si en principe. Non c'est la crône. Là là? Derrière c'est pas lui. Ah oui là, oui là. Non, mais d'accord. Mais par contre j'ai pas de colle. On est actuellement chacun sur une voiture noire au niveau des hangars du fond. Bien pris à Dame 10, on est juste derrière. Oh putain, prends des balles de tête. Mets-toi sur le côté, mets-toi à droite ou à gauche de lui. Toujours sur la piste. Non mais bien, ouais, bien derrière, mais droite ou gauche. Dame 0, tu regardes tout à l'heure, je freinais, t'as vu ce que ça faisait? Bon, il peut me les faire, c'est moi qui fais ces strats. La poursuite, on est au fond de l'aéroport, côté nord, côté est. C'est bon. De quoi out? Mais c'est les mains déjà. Hein? Pourquoi tu roules les mains levées? Non, non, mais ça c'est. Mais de quoi je suis out? Je le bloque, je suis pas out. Enfin, en soit, t'as pas le bloqué. Hein. Non, encore, tu dois rester derrière la. Adam 77, on part direction hôpital. Adam 75, troisième position. Ah, je savais pas après qu'il était perdu. D'une course poursuite, c'est d'arrêter le véhicule. Oui, mais on a dit tout à l'heure qu'il fallait pas se mettre devant. Mais ouais, mais je suis pas lead. C'était pour le. Là, justement. Mais non, mais t'es pas lead et on t'a pas demandé de. Pas zéro véhicule devant le véhicule du fuyeur. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, s'il veut vous foncer dedans, il vous fonce dedans, vous êtes à out et lui il repart. Mais dans ce cas-là, on fait pas de barrage, on fait rien du tout quoi. Non mais après, il y a des différences quand on est sur le terrain. Dans ce principe-là, c'est la même chose. Hein. Bah, là, t'as vu ce qu'il a fait, il est venu sur moi, bah moi je le bloque. Surtout qu'il était à 10 km à l'heure, il y a aucun risque. Je vais me narguer en disant c'est dommage, essaye de me bloquer. Tu sais qu'il est pas parlé, il est complètement l'opposé. Hein? Mais non, mais je suis out donc. Mais non, mais là tu peux repartir, c'est bon. Tu peux revenir? Mais oui, c'est out 2 minutes, même pas 1 minute. 30 secondes. On tourne actuellement. Sur ce code, je suis à côté. Vas-y. Là, il est out. Interpellé! Si je peux maîtriser, mais d'une façon. D'une façon très violente, hein. La délicatesse. Vous êtes pas bien à défoncer votre truc au commandant. Oh. Ah, tu vas pas de ma mort, non. Mais bon, c'est très bien, très bien. C'est. 0-1, incroyable. Allez, va. Ouais. Bon, on reprend la poursuite.
s'il arrive à sortir. Hein? Non, s'il arrive à ressortir. Du coup, on fait quoi là? Dame 13, laisse le lead aux autres patrouilles. Non, on fait quoi là? On attend qu'il y ait une patrouille qui prend le lead sur. 75 sur la a eu des problèmes de tête, je pense. Ah, on refait une poursuite tout seul, 16. Est-ce oui, on repart en poursuite. Affiche. Sur le même véhicule? Oui, sur 09. Madame 13, première poursuite, s'il y a une autre patrouille, reprendre le lead. Attention, s'il vous plaît. Entrée aéroport. Premier hangar. Ça va à l'arrière. Prends l'autre côté. Tu vois, là, je suis là. Et ne criez pas radio. Parce que le bloc là, la sortie. On va arriver sur la première piste, non? Madame 0, on prend le second. Ah, vous avez tué. Je vais poter. Je vais essayer de nous écouter. 14, off radio pour soigner 67. 02, je reste soignable si besoin, mais je suis avec 14 et 67 du coup à l'hôpital. Merde, moi je te le bloque là, mais vu que apparemment j'ai pas le droit, bon bah tant pis, je fais rien. Ah, mais c'est regarde, tu vois, ils ont essayé de bloquer, ils foncent dedans, mais c'est des remparts. J'ai une question, c'est un mec dans l'illégal recherche sur l'illégal. Si un mec dans l'illégal recherche arrêter l'illégal, il se fait encore arrêter. Bah en soi, on en sait rien si. Après, en soi, on sait pas si vous faites. On sait pas déjà si vous êtes dans l'illégal ou dans le légal, ça dépend. Parce que des fois, on enclenche des 147 juste pour un refus d'obtempérer, bah pour un refus de contrôle routier. À Dame 10, on reprend le lead. C'était le bordel là derrière. Il n'y aurait pas dû avoir une action. Oh, aïe. Madame 16, à droite. J'étais même pas sûr qu'on sortait, hein, avec vous. Franchement, tu doutes de mes capacités là? Non mais je pensais pas que la voiture allait passer, je pensais qu'elle allait rester bloquée. Alors genre vraiment, personne fait ça hein. 52, out. Je fais la même erreur à chaque fois. Non mais personne fait ça, genre vraiment. Il n'y a aucun débile qui va défoncer sa voiture sur un véhicule de flic. Genre vraiment, ton véhicule il sera défoncé, enfin je sais pas. Je trouve ça logique, genre vraiment c'est... Surtout qu'on a, il a pas le véhicule le plus costaud, c'est bon, je sais ce que mais c'est ça. Tous les véhicules qu'on a en course poursuite, ils ont pas les véhicules adaptés. Ils foncent dans une voiture, leur véhicule il est mort. Le moteur il est à l'avant, il est pas à l'arrière. Tu tapes une fois, il est mort ton truc hein. Pas, il a... On va passer sur le premier hangar. C'est un mis dans l'illégal recherche. Enfin bref, c'est pas. À l'arrière des hangars, derrière vous la dame en SUV. Tu me dis dès que je peux y retourner. Quand on a pas beaucoup de sens hein. Bah, je sais. À mon avis, ils sont en train de le chercher, puisque... Vas-y, tu peux y retourner. Le 13, on peut pas garder le lit, donc on peut garder le lit, puis notre dame.
Position. Le niveau des ondes perdu. Super, question. À droite, gauche. Calme-moi, ce. C'est vrai. Ah, derrière la patrouille qui est en lead. Hein? Bah ouais, mais je l'ai laissé pas. Ah, t'as vu où c'est qu'on est? S'il a pas la place, je comprends pas. Oui. Je fais tout pour qu'il garde le lead, il me le donne. Ouais, mais ils ont pas compris. En fait, il a le lead. Rien qu'on anticipe. Il est out. Attends, je rapproche. Alors, ça sert à rien. Ça, c'est un entonnoir, c'est pas un rigolé. Une formation rideau. Faites-moi une putain de formation rideau. Recule. Recule. À côté de la crône Victoria, s'il vous plaît, la crône Victoria Banadine. Yes. À côté de la dame. Recule. Recule. Pourquoi tu veux formation rideau. Recule encore. Mais non, mais mets-toi à côté de la crône. Ouais, mais bon. Et formation rideau, porte ouverte. Ah. Voilà, maintenant on laissait pas. Oh là là. Pour moi, ta formation rideau. J'ai été gentil parce que je pouvais reculer comme un ouf et la crône Victoria, vous êtes mort. La formation rideau, c'est pas collé au véhicule, c'est avec une certaine distance de sécurité pour pouvoir réagir si je peux faire quoi que ce soit. Franchement, 10, en plus de la ça, formation moi, rideau, gauche, le jour où elle marchera sur un vrai individu, tu m'appelles. Hein. Bah on aura même pas le temps de la faire, l'auto on l'a pas. C'est une exa... Reprends... Bah ça va. Bah, on est en train de former ces agents incompétents, tu vois l'état de ma voiture. Voilà. Ma voiture elle est finie en punto. Parce qu'on a des agents qui sont incompétents et qui... Voilà. Ah ouais, c'est refrain. Vous parlez pas assez en radio, les collègues derrière doivent deviner que vous faites une formation en commun. Prévenez, attendez les collègues derrière. 6-4, je suis tout seul dans la voiture, j'ai un peu du mal à gérer la conduite à la radio, excusez-moi. Le reçu, eh ben alors à la limite, tu le dis à quelqu'un d'autre, si tu le sens pas. Adam 16, je laisse le lead. C'est quoi ça? 52, il est long à la détente quand même. Hein. Formation ridon 52. Lâche, lâche si le fond tu veux, dessus. Formation ridon, si tu veux. Voilà. Lâche le fond dessus. Ouais, c'est bon, j'ai le Il y a trop d'espace derrière. Hein. On doit être tous à côté les véhicules légaux. C'est une formation ridon, s'il vous plaît. Prime Victoria, qu'est-ce que vous faites? Bon, allez, tout le monde dans la gare principale, on va revoir la formation rideau. Genre vraiment, sa formation rideau, pour moi, ça sert à rien. Madame 13, on va aller faire le plein. Ouais, madame 13, on va faire le plein. Ouais, je vais faire le plein aussi. Vas-y. Attends, vas-y. Madame 10, on va aller faire le plein aussi. Attendez, il y a petit délai. Attendez, non, personne. Revenez tous. C'est pas le recette. Je me rappelle que t'avais ramené une clé à outils, une caisse à outils pour réparer les véhicules. Ouais. Mais 09, la caisse à outils, elle sert pas à faire plein dans la voiture. Ouais, mais il a ramené des bidons. Il y a des bidons d'essence là-bas. Regarde, il y a des trucs d'essence. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Et oui. Oui. On te aussi, tu n'es pas un. Non. Je vais me poser une question, non? Ah oui, bah. Est-ce que vous auriez à manger et à boire, s'il vous plaît? Non. Non, je sais pas, je suis désolé. Pas de soucis. On te aussi, tu n'es pas un épais au niveau de la conduite. Le trait, j'aime dire. Bah oui, mais parce que. Tant qu'il est 07, je veux bien. La formation Rido. Voilà.
fais le plein à tout le monde. Moi aussi. Il y en a deux. Ah, moi aussi. Bien. Mais Non. J'ai fait quoi, moi? Ouais. Il rush pas, c'est juste que... La formation E2 qu'on est en train d'essayer de mettre en place, elle est... On n'a pas le temps de la mettre en course poursuite. Pour information, il y a Brabus qui attend à l'entrée, vous entendez quelqu'un. T'imagines que tu dois placer un véhicule comme ça. En tout cas, on doit avoir déjà 4 ou 5 véhicules derrière un véhicule de poursuite. Donc c'est très compliqué. Et... 09. Et laisser les portes ouvertes et tout. La position rideau, vous voulez qu'elle serve à quoi dans les positions même? Du coup, demain pour la forma. Non, demain c'est PA, c'est pas forma. Je dis ça pas méchamment, mais genre. Demain, Police Academy, t'inquiète, je t'attends. Tu vas voir. Je vais te mettre la misère. Je vais expliquer, t'inquiète, parce que personne n'a compris. C'est méthode Rhino, je dis méthode Rhino, moi. Il prend lui. Ouf, le capot. Il fait mal le capot. Par choc. Attention, la mienne. Ah, le pare-choc maintenant. Vous êtes le mécanicien de l'esprit, c'est bon. Je peux pas en réparer comme chez vous parce qu'il y a des, des mécanos en ville. Je vais faire autrement, monsieur. Ah bon. Ça a l'air dur, MD. Du coup. Oui, comme moi là. Oui. J'ai expliqué la formation. Mais non, mais pour toi, bah, c'est la police académie. Pour toi, demain, tu feras les formats en temps et en heure. Imaginez que, donc, du coup, ma Bravado est le véhicule suspect. Que du coup. Je suis dans mon véhicule, que je ne bouge plus, que mon véhicule fume, etc. Et donc, du coup, je ne peux plus continuer la poursuite. Donc, demain, c'est tu feras les formations quand on en remettra en place et si tu es accepté. Mais... Et tout, je parlais radio en même temps, donc je sais pas tout le monde va me comprendre. Le but est de se positionner au niveau, à mon niveau, d'accord, avec les véhicules. Faire voilà, une voiture là, une voiture en haut. Et ainsi de suite. Le but est de encercler par l'arrière. Donc si vous avez que 3 véhicules, vous mettez 3 véhicules par l'arrière. Si vous avez 5 véhicules, vous vous encerclez ainsi de suite, jusqu'à limite s'il faut, mais ça n'arrivera jamais, croyez-moi, avoir une vingtaine de véhicules et venir encercler jusqu'ici, jusqu'à cette limite. C'est un arc de cercle, en fait, un demi-cercle. Cette formation, je vais vous le montrer avec les véhicules qui sont là, consiste à rapprocher les véhicules. Il a pas retrouvé son micro là. Tout le monde suffisamment près. Bah il a un meilleur micro déjà qu'avant, mais une fois les portes ouvertes. Non, il a pas récupéré son micro casque. Donc une fois les portes ouvertes, il y ait un très léger espace entre les portes, voire même quasiment pas. Passer pour à manger, s'il te plaît. Du coup, vous vous protégez mutuellement, vous vous protégez de balles face à la portière, voilà. Vous vous protégez d'un potentiel impact, étant donné qu'il est assez loin, vous aurez le temps de réagir pour éviter la voiture ou le faire s'arrêter. Et ensuite, une fois que toutes les unités sont formées en mode rideau, un groupe nommé en radio viendra du coup arrêter le suspect par l'arrière de la voiture, toujours, d'accord. Le premier viendra pointer avec son arme, hein, la cabine du suspect, avancer progressivement avec derrière un collègue qui viendra l'épauler s'il le faut,
ainsi que tous les collègues derrière qui sont toujours sur la formation rideau, ils sont prêts à intervenir si jamais ça part en vrai. Ensuite, une fois que ça c'est fait, les collègues qui donc du coup sont en train d'arrêter le suspect vont attendre au niveau de la portière ici, par ici, hein, portière un peu décalée histoire de voir l'individu, hein, depuis la fenêtre, et voir ses mains. Vous lui faites ces trois sommations, imaginons qu'il refuse de faire ces trois sommations, vous allez venir encercler la voiture sur les côtés, faire une forme de une triangulation, on appelle ça. Donc un agent qui vient se mettre de l'autre côté là comme ça. Okay. De ce côté-là, toujours assez loin du véhicule et pas derrière ou devant. Pareil pour le collègue qui vient intercepter le véhicule, l'individu directement au contact. Et derrière, l'agent qui est en train d'épauler le premier va se mettre derrière, justement ici. Oh, excusez-moi, c'est un peu long. Ici, histoire de voir la totalité de l'habitacle et d'intervenir si jamais le collègue est en danger, sans risquer grandement la vie du collègue. En gros, ça. Un collègue qui prend comme ça, l'autre tient. Et le dernier collègue qui vient braquer aussi ici. Et s'il faut, le collègue ici peut à la limite intervenir dans la voiture pour aller le dégager. Parce qu'il sera couvert par ces deux autres collègues. Voilà comment faire une belle procédure d'arrestation au sein d'une grosse course. 52. Alors, du coup, si je comprends bien, cette formation, il faut que le véhicule soit donc en fumée pour faire cette opération, et sachant que cette opération n'arrive jamais, parce que la plupart du cas, le véhicule fume, le mec s'arrête, sort du véhicule. C'était un exemple. J'ai coupé le stream parce que c'est... En fait, on a fini sur le Discord. Il faut la faire à chaque... Normalement, à chaque poursuite. On l'a fini sur le Discord parce qu'il y a eu des problèmes de ville après. En fait, c'était répétitif. Tout ce que t'as entendu entre guillemets face à moi, c'est ce qui leur balançait très derrière. Il n'y a pas eu de trucs en plus, tout le monde. Oui. Pendant ce temps-là, il a pris une absence indéterminée. Mais voilà. À ce moment-là, comme je t'ai expliqué, pas sûr que devant, étant donné que la marche avant était. Ça lui a pas plu, donc l'autre, il a pris une absence indéterminée. Pour dégager des véhicules ou justement intervenir, sachant qu'en plus de ça, si tu fais formation rideau devant plus derrière et que tu es obligé de tirer, qu'est-ce qui va se passer? Bah, après, on met des hertz devant et derrière. Donc, pareil, là, du coup, il faut que tu aies le temps d'aller dans le coffre, que tu sors de cette formation rideau, que tu ailles mettre la herse avant que lui accélère. Ce que je vais t'expliquer, c'est que faire une formation rideau devant est extrêmement dangereuse de 1, parce que tu es face au véhicule, d'accord, et qui peut te rentrer dedans. En plus de ça, c'est du matériel. Tes deux genoux, tes bras, etc., non, c'est pas du matériel. Ouais, tu le vois arriver, la marche arrière, elle est rapide sur certains véhicules aussi. Ils ont vite fait de nous rentrer dedans marche arrière. Certes, mais en attendant, en tous les cas, faire une formation rideau devant plus derrière, c'est engager des tirs croisés. Si jamais il y a un risque de tir. 14 pour 09. Occupé, attendez. Donc, du coup, la formation rideau, c'est derrière et sur un des deux côtés uniquement. Si jamais le véhicule repart, vous êtes ici, sur le véhicule, vous êtes sur là, le conducteur. Mais je peux rien faire tant que je suis pas affilié, je peux rien faire sur le stream. Moi je sais que ça vous dérange, mais si je pouvais, je. Il faut que je sois affilié pour. Vous êtes dans l'autorisation de crever un peu. Et donc on n'a pas le droit de. Donc si le véhicule se bloque, par exemple, là il y a un mur devant le véhicule. Bon, après sur OBS, je suis bloqué à 700. Bah, je l'ai mis au minimum, donc c'est 720p, je peux pas mettre en dessous. Non, parce qu'à ce moment-là, il peut. Premièrement, déjà, t'es pas assez loin pour réagir assez rapidement avant qu'il sorte une arme, par exemple, depuis son véhicule et te rafale la gueule. T'es pas assez loin pour éviter, justement. Mais je sais que c'est chiant quand. Avec sa marche arrière. Parce que lui. Quand on n'est pas affilié sur Twitch, je sais que c'est chiant de. Mais du coup, il roule autant mal que nous. Pour ceux qui ont une mauvaise connexion, ils peuvent pas. Imaginons, il est solo. Qui peuvent pas toi, changer. T'as juste une portière. Lui, il a. Le réglage de qualité. Ou l'arrière de la voiture.
ce que je veux dire par là, c'est que aller directement au contact du suspect, c'est une... te mettre en danger. Bon. C'est alors, les risques du métier. 52, non, c'est les risques du métier. Tu peux en... C'est bien de prendre des. Oui, le. C'est bien, oui, il y a des risques du métier au sein du LSPD, mais le but c'est d'en prendre le moins possible. Bien sûr. Mais qui se balade avec. Enfin, non. Qui tire sur des flics il y a quoi? Il doit y avoir 10% de la population. Oui, non, mais en attendant, comment t'es pas à l'abri qu'ils te foncent dedans, encore une fois. Pour s'affilier, il faut que j'ai un nombre d'abonnés, que j'ai un nombre de viewers sur Twitch. C'est ce qu'on appelle des distances de sécurité. C'est la procédure à suivre. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas une meilleure que celle-là. Quand je peux te dire ça, c'est la seule et unique. Affiliation en cours. Dans tous les cas, voilà, même si je suis... Je sais que vous ne l'appliquerez pas tous les jours, tout le temps, mais si vous pouviez l'appliquer le maximum possible, dès que vous voyez que c'est assez sérieux, pour votre sécurité, pour avoir l'affiliation, streamer au total 25 heures, je suis à 69, streamer 12 jours différents, je suis à 16, donc c'est bon. Avoir minimum 75 spectateurs en moyenne, j'en ai 1,97, j'en suis très 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 loin des 75. Le jour que j'aurai 75, déjà il faudrait que j'ai 75 abonnés pour avoir 75 personnes. Une forme à ton rigaud là derrière ma brave. Allez-y. Peut-être se rapprocher un peu, les gars. On est beaucoup trop loin, là, non. Très belle remarque. Il avait montré la ligne blanche, tout à l'heure, non? Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... Mais très bien, là. Par rapport au véhicule, là, vous êtes assez loin, ça... Par contre, la Bravado et la Grande Victoria, vous n'êtes pas assez proches. Les deux, là, la banalisée et le scout, vous êtes bien. Je parle de l'une envers l'autre, les gars. Attends. Regardez vos collègues. Quand elle se rapproche du scout et Banalisa se rapproche de la crotte. C'est ça. Le but est de former un seul et même rideau. C'est sympa, donc je... Et le rideau est plus ou moins grand et en cercle plus selon les véhicules. C'est pas encore sponsor, c'est pas censé être du vide. Là on tient quelque chose. La conducteur est coupée, Giro supplie à la sirène. Contrairement à celui de Giatomi que je trouve chiant. Ok, très bien. Perso, je l'ai jamais regardé. Madame Scout, Madame Plaisant, du coup vous procédez à l'arrestation. Là je comprends rien à la formation. À ce moment-là, tous les agents en rideau braque. LSPD descend immédiatement le véhicule. Les gars, faut que la main tu vises la banque et la vite à camp visuel, s'il te plaît. C'est pas 14-07. C'est pas 14-07, faut que la main tu te mettes à l'avant, diagonale. Monsieur descend immédiatement du véhicule. Après, JL Tommy, il a sa communauté, moi j'ai. Très bien les positions, parce que regardez, imaginez. Je vais avancer, hop, je me fais abattre. Je vais reculer, hop. Je me fais abattre. Bah là-bas, pareil. On n'a clairement pas le temps de mettre ça en place quand on a... Donc vous avez le droit de tirage. Si jamais le suspect... On n'a clairement pas le temps de mettre ça en place le et temps voilà, de... Et voilà, ensuite après vous procédez à l'arrestation. Voilà. Allez, la dame plus 1, vous retournez à votre scout. On va faire pareil avec la dame de 10 et 16. C'est bon? J'ai dit top. Vas-y. Monsieur, sortez de votre véhicule, s'il vous plaît. Pour information, le cadet reste un peu plus loin parce que t'as pas d'armes. Même sans descendre du véhicule, t'as pas de grave, je vais t'aider.
Y'a des poutres. C'est facile. Putain, la voie de vol. Ah bien, bon, après, on va pas aller jusqu'au bout, mais oui, après c'est les mains sur le capot, tu viens m'arrêter, etc. Oui, ben, très bien, vous pouvez retourner à vos véhicules respectifs, on va finir avec la dame 13. Le papillon est incroyable, si j'étais à la place du commandant, de sorte. Bon, j'ai vite, je reviens. Ça, je peux la battre là. Cadet a eu un bon réflexe, étant donné qu'il a un taser, c'est une quelque chose que vous pouvez faire. Il a ouvert la porte, il m'a tasé, hop, je sors de force, on est que chez lui. Très bien. Bon, appuie ça, sur A que là, je l'ai fait, j'ai fait pour te cover. Non mais t'as rien, je sais. Mais ça sert à rien de se cover. Le cas le plus avantageux, je crois qu'il est mon arrestation, c'est la... Non, bah regarde. Une des adames qui est au milieu du rigueur, d'accord, qui est plus au centre. Pourquoi? Tout simplement parce que elle est susceptible le moins si jamais on doit repartir en poursuite. Les véhicules partent vers l'extérieur, gauche et droite à chaque fois. Et du coup peuvent récupérer la poursuite super rapide. Des questions? Négative. Négative. Non, si on se met à couvert, c'est... on peut pas... Très bien. Bon. Eh bah... on va continuer. On peut c'est pas possible, pointer. On va voir les procédures de contrôle. Donc, juste pour voir, Adam 13, faites-moi un contrôle. Imaginez-vous que je viens de me mettre sur le bas côté là. Dites-moi ce que vous devez faire. Et pourtant, c'est pas ce qu'il fait. Allez, ça c'est effectivement une première erreur. On recommence. Ah, désolé. Non, mais t'inquiète. Il faut se mettre devant le véhicule, non? T'as un problème, 52, à te mettre toujours devant, non? Hein? La règle numéro 1, c'est jamais de se mettre devant un véhicule de suspect. Jamais. Parce que s'il rafale. Tu t'es pris une balle perdue, mais rien là. Ok. Mais je m'en rends, j'en ai rien à foutre. Je sais pertinemment que ce que je fais à mettre devant, c'est sécuritaire. Que tu sois derrière ou devant, tu te prends une rafale, ça change rien que tu sois sur le côté ou quoi. Hein. Tout à fait. Moi, c'est ce que je pense, mais... Bah, c'est la logique des choses. Très bien, c'était plutôt pas mal. Alors... si je devrais vous donner des conseils, alors ça c'est libre à vous de le faire, c'est juste une simple question de confort. Quand vous arrêtez un véhicule, parce que là ce que j'aurais pu faire c'est récupérer mon véhicule et vous foncer dedans, c'est quand vous mettez sur l'arrière, vous mettre prêt à partir comme ça en biais, et limite de stopper le véhicule avec les roues penchées. Bon, là, malheureusement je viens de voir qu'elles se remettent automatiquement. Mais bref. Vous mettez un peu en biais comme ça, prêt à repartir au temps. Là par exemple, imaginons que le trottoir était à droite, voilà, vous mettez à partir vers la gauche. Et inversement, si le trottoir est à la gauche. Donc, ça c'est l'une des meilleures options. Je dis que le trottoir n'est pas à gauche. Pas besoin d'avoir les trois agents autour de la voiture. Par exemple, le conducteur peut rester en formation rideau justement derrière sa voiture, derrière sa portière comme ça, pendant que les deux autres agents vont vérifier. Et quand on est tout seul? Ce sont des simples gestes qui peuvent vraiment sauver la vie de vos collègues si jamais ça part en couille. Et quand on est tout seul?
ça peut paraître chiant comme ça. Et ce sont des à partir de là, là, ça porte son pas coup d'orange. Je suis désolé, mais tu veux vite prendre. Est-ce que vous avez des questions? Très bien, donc Viz, je vais te laisser les entraîner par toujours poursuite, contrôle et procédure rideau ainsi qu'arrestation. Donc j'allais voir un truc vite fait à l'hôpital. Okay. Je vais aller voir les agents. Je vais aller faire l'essence parce que je peux pas. À mon retour, nous repartirons en PDP. Fin de formation. Je suis clairement HS en essence. Vous allez où, Lise ? Faire le plein. Très en attendant, tu peux prendre le lit. Madame Zéro, également. Ah, je suis désolé, ce soir je me plains H4, mais là, frère, c'est trop, frère. La petite marche arrière tranquille. On fait une formation mais on a pas que des trucs. Mais non mais le truc rideau. Pas que du mauvais, mais... Bah pour moi la rideau on n'a pas le temps de la déployer clairement. Le mec ouais, il va voir que les agents ils, le temps qu'ils se mettent en place. Il va se casser. Mais, déjà oui, il voit que son véhicule fume, je suis désolé mais il sort et il court en fait. Non mais déjà. C'est son premier réflexe. Oui mais même à quel moment déjà on a 5 bagnoles derrière une course poursuite puisqu'on limite à 2 pour éviter d'avoir justement les casses entre nous. C'est ça. Et même sinon ils vont se plaindre. Après ils se plaignent, bon quand t'as 4 individus armés, tu vas voir s'ils vont se plaindre. Allez me lâche pas. Ouais ça va, t'es large. Ah, pour toi je suis large mais pour moi je suis pas large, hein. Je suis vraiment à la. Non, non mais même tu sais t'as le. Ça cale pas à l'instant. Ah oui. Donc t'avais de la. Trajet. Ah, le 98 là. C'est trop chiant, ça fait que couper. Bah oui, si t'as une coupe qui est pas. C'est bizarre, ils ont tous refait plein. Ils ne pouvaient pas y aller tous en même temps, c'est trop de bug. Pour toi, t'es contre de bloquer devant? Oui, je suis contre parce que en soi, il a pas tort. Le véhicule, s'il veut repartir, il te fonce dedans. Toi, t'es au sol et c'est fini. Après, mais je serai pas au sol, je suis dans le véhicule. Et même dans le véhicule, tu prends un impact. Tu sais très bien qu'ils ont pas mal ici. Bah ouais, bah ils ont pas mal. Moi, j'ai pas mal. Moi, je fonctionne comme ça. Hein. Si eux ne font pas leur truc, surtout je vous donne des conseils de loin quand vous poursuivez un véhicule. Ça sert à rien de mettre pied au plancher plein de gaz à chaque fois, parce qu'à chaque fois vous faites douiller parce que le véhicule freine d'un coup et vous passez devant et puis vous perdez du tout, etc. Restez derrière avec une certaine distance et puis vous pourrez anticiper les fins qu'ils essaient de vous mettre. C'est clairement ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein. Ce genre foutait des gros coups de frein et il prenait le cul de la voiture. C'est ça. Je veux pas dire, mais des fois, oui, ça se peut que des fois tu prennes la voiture, tu peux pas esquiver tout le temps. Hein. Comment ça, je vois ma barre orange derrière moi. Ma même barre orange, je la vois allumée là. Ta barre orange? Ouais, moi je la vois allumée. Elle est pas censée s'allumer et j'ai fait full teinté dessus pour pas qu'elle se voie justement. Non mais c'est des LED hyper puissants. Ouais, mais je te jure qu'en plein jour tu les vois pas. Bon, bon avance ta grand-mère toi avant que je t'éclate ton camion. Vous êtes prêts pour les Adams qui sont avec moi? Putain, t'es fort. Ok, je vais les éteindre au fur et à mesure. Ok, Adam 0, on prend le départ sur un 147 du Bravado qui est au niveau de l'aéroport. Il vous donne la quête. Adam présent second. Au niveau de la piste principale, il la remonte. Un petit moment d'amusement. Ah, c'est toi qui pilote.
passe à gauche de l'avion, je fais demi-tour. Tourne autour de l'avion. Zéro, on vous laisse le lead. Très en train de m'anticiper. Au niveau de la grosse carcasse d'avion, on tourne autour. Je crois qu'ils sont en bien problème. T'as passé dans les tunnels. Aïe, ce pilote. On est derrière le hangar principal. Ah, à tout moment, t'aurais fait demi-tour là-bas. T'aurais pas vu. Bah. Alors, regarde la voiture là, je suis. Et encore, elle est partie à gauche. Ah, bon, tu. Après, là c'est, des... c'est pas leur faute, c'est des calls. Passons sous les bâtiments. On repasse encore une fois, il y a combien de tours. On repasse encore une fois, direction la grosse carcasse d'avion. T'es prêt? Non. Fais pas des trucs comme ça. Donc la croûte c'est un tout terrain maintenant, je savais pas. Non mais en vrai, je crois qu'il y a un problème à tous les véhicules et les speedy, leur suspension est trop bizarre. T'as vu les véhicules? What? Ça a tapé. Ok, pourquoi? On est au niveau de la caserne de côté dans l'aéroport. On passe sous les bâtiments. Ils tentent des choses. Il refait le tour, enfin il refait le micro, pardon. Tu vois ce qu'il a fait pour moi, c'est bien. Parce qu'en gros, là, ce que tu lui as tapé, c'est quoi? C'est le flanc gauche. Le flanc gauche, on s'en fout. Non, on s'en fout. Parce que. Ça te bouge pas, c'est enfin, je sais pas. Passe en dessous du bâtiment, direction l'héliport. Et le face à face, moi je trouve que c'est un bon compromis, tu vois. Par vers le hangar du. Oh, à éviter, tu vois, parce que ça n'est que les deux les véhicules. Mais... Tu passes derrière les hangars. Côté gauche. C'est temps perdu. Continue sur la gauche. Au niveau des gros silos au fond. Il va sortir au niveau du hangar du fond. Et sur le dernier hangar tout à droite. Les métaux. Après tu me dis c'est à moi de me calmer hein. Non mais moi je fais ce que je veux, c'est ma voiture. Oh. Et enfin, on va direction le garage. Abus de pouvoir. Il n'y a pas d'abus de pouvoir, c'est ma voiture. Payé. C'est même pas le SPD qui me l'a payé. Quelle honte. J'ai dit qu'il aurait recommandé une prime pour ça. Après, je dis ça, j'ai deux véhicules aussi qui vont pas rembourser les SPD. C'est bien. Y'a moyen qu'il paye pas. Ah, elle a parlé trop vite. Position au niveau de la grosse carcasse d'avion. Tourne autour.
Alors déjà je tournais pas autour, je tournais juste autour d'eux. Avec mes lentilles on te voyait pas. Hein. On a des voitures sur 147. Tourne autour de l'avion. Petit hangar principal. Tu voulais cacher. Je vais clairement me cacher. Alors, vraiment, pour moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'issue. Derrière le hangar. Dommage qu'il y ait la voiture derrière parce que je reprends le lit du 47. On a exploré de large. On va le cacher. On va directement. Fait se prendre le poteau. On est devant la bonne entrée. Direction hangar principal, voie 1. Aïe! Il faut essayer de retourner. Aïe! Formation rigolo. Derrière. C'était fait exprès. Ah bon? Bah oui. Aïe! Putain, pas très sécuritaire contre le gars. Si, je suis. Ok, pour la croque, il faut la croque 2. Allez, après, j'en. Demain, je repars. Comme la dernière fois, les gars. Hein? Oh! C'est qui a tiré? C'est le capitaine qui est dans la voiture aussi. Hein. C'est qui a tiré? On part sur un 147. Je sais pas, j'ai pas vu c'est qui a tiré. C'est lui, 22. On devrait en prendre. C'est moi, il a dit, oubliez pas que c'est le capitaine qui est dans la voiture. Bah oui. Assassinat, oui. Oh bah c'est bon, ils sont à l'amende. J'ai voulu faire un prank mais j'ai trouvé ça déplacé, du coup je l'ai pas fait. Oh. Oh. Au niveau de la grande tour radio là. NM13 va faire la première tour. En vrai là ça va, il conduit bien. Hein. Pour moi c'est propre ça. Parce que c'est stress qui est derrière, c'est pour ça. Putain, vous avez bientôt fini. Ouais, on fait un retour PDP après. Le plan est très bien réalisé. Allez, je me suis arrêté en soi. J'ai fait un vlog. Ah, elle arrive, ça y est. J'ai fait vlog les tonneaux. Je me suis arrêté. Hein. À l'artiste. Je t'arrête. Aïe. Elle me fume. Aïe. J'ai pas touché. Ah bon. C'est pour ça que j'ai plus de feu. De feu à plus de feu. Ça fait encastrer dans le mur en face, mais il nous a pas touché. Ah oui! Ça pique! Les techniques de messieurs! Ça fait. Bah là, j'ai pas le choix, j'ai mal! Ah là! Là, j'ai mal! On court! Arrête, toi, et tiens! On court à battre! Adam 0 empêche!
encore un gros à tirer. Allez-y. Monsieur, descendez du véhicule. Ne pas descendre, on vient d'avoir un gros accident avec vos collègues de merde. Monsieur, coupez le contact directement et descendez. On peut pas descendre, j'ai mal à la jambe. Ouvre la porte et tu le fais sortir. Ah oui, 09. Ouais, moi, ok, plus les gars, pousse. Ça va être plus long que prévu, l'hôpital. 67, c'est pas la forme du tout. Donc, si vous en avez marre de la formation, vous pouvez repartir en patrouille. Ok. Là, ça va faire un dispatch, etc. Merci. Ok, y'a pas de problème. C'est comment les tests là? Bah là, ils se sont améliorés, ils sont en train de nous arrêter, mais par contre, y'en a un qui nous a démonté la voiture et j'ai très très mal. Attendez, je vais m'occuper de lui parce que je crois qu'il sent pas bien. C'est qui? Ah, c'est le cadet, je crois. Le cadet, putain. Oh, là, là. Ok. Bon, arrête les formations, si vous pouvez. Ouais, on va les arrêter juste après. Ok, allez. Coucou. Bon courage. Écoute pas bien, elle est dedans. Ok, c'est bon, il va bien. Bon, allez, on reprend. Allez, monsieur, je vous ouvre la porte. Mais je suis coincé, j'ai mal à la jambe. Ma jambe est coincée avec le volant. Bon, comprenez pas quoi, bordel. Je voudrais bien un café aussi, s'il vous plaît. Bon, allez-y, je vous ouvre la porte, là, le passager, là. Fais attention au passager déjà. Je me coupe, je vais essayer de lui. Coucou. Allez, 1, 2, 3. Ah putain, ouais, c'est bien bloqué. Allez, je vous dis qu'elle est coincée. Avec la peau de bébé, là. Du quoi? Elle est coincée dans le volant. Enfin, en dessous du volant. Il a banalisé. Attends, j'ai bougé le volant, je vais essayer de le lever. Hop là. Eh hey, monsieur, je vous sors votre jambe là. Ah putain, j'ai trop mal. Mettez vos coups de véhicule, monsieur. Monsieur, revenez ici, vous. Revenez ici. Revenez. Là, vous êtes un revenez ici. Mettez-vous là-bas. Mettez-vous là-bas. Mettez vos coups de véhicule là-bas. Je peux pas faire. Coupe de véhicule, mettez chez vous. Ah, attends, non. Voilà. Monsieur, est-ce que vous avez mal? Bah, ma jambe, réfléchissez. Voilà. Il va allonger le dos et tout. Venez avec moi. Est-ce que vous avez mal quand j'appuie là? Oui. Aïe. Putain, arrêtez. Sur une échelle de 1 à 10, tu as combien votre douleur? À 10. Ça se passe comment avec Neymar? Ah, y'a mal à la jambe, fais essayer d'appeler des EMS et de voir si tu peux. Fils de pute de policier, toi, je vais te niquer ta race après. Ok, bon, on va rajouter un outrage. Donc, monsieur, là, je suis en train de vous. Voilà. C'est pas outrage, c'est menace. Je te vous énerve. Vas-y, tu viens, toi. Je vais mettre un petit pansement. Ça va vous faire du bien. De... Et putain, je désinfecte. Hop là. Ça va, il a pas trop mal, votre collègue, par contre, non, ça. Si, il y avait très. Pour l'instant, il y avait très très mal. On est forgé de béton, nous. Bah, il a l'air d'être en pleine forme, hein. Non, il souffre, je sais pas si vous l'entendez, mais moi je voulais reprendre dans la course et en fait je vous désinfecte. C'est juste que lui il le fait pas voir comme vous. Vous fermez votre gueule avant que je vous assomme après. Nous dans les studios on s'appelle pas Neymar aussi, mais pas pour rien. S'il te plaît, Zéro, s'il te plaît. Y'a pas de MS par là. Allez, on va le ramener à l'hôpital. Il est pas mort. Il a mal à la jambe, on va le ramener à l'hôpital. Il est blessé, blessé. Odis. Votre fils de pute de collègue là. On va le ramener à l'hôpital. Oh. Il s'est bloqué la jambe dans la pédale. Mais t'inquiète, ça tourne. Allez, c'est bon. On a arrêté là les formations, c'est bon, tout va bien. Non, toi, le cadet, faut l'expliquer. Dis, je te verrais bien avec des lunettes de soleil. Détaché 52, s'il vous plaît. Mais je suis d'accord, mais en fait, je savais pas qu'il allait venir comme ça. Ah oui, merde. Ah ouais, par contre, alors quand on dit de prendre distance, là, c'est des distances violentes. Ouais, mais toi, t'as l'air d'avoir peur, t'es retourné, t'es reparti. Je me suis arrêté au moins 2 minutes. Hein. Ouais, tranquille, ça va, t'as pas eu le pneu de fait. Bah, c'est à vous de faire votre travail, c'est pas mais moi. Attends, mais. Bah, mais là, oui, mais bon, que... ouais. Après, mais la voiture, elle allait un peu vite aussi. Hein. Après, t'allais pleurer parce que je t'aurais fait tes pneus. Non, mais. Bah, là, le problème de ma. Ça servait à rien. Vous êtes parti, c'est le rideau en fait. Y'a quelqu'un qui a à manger, à boire. J'ai une petite pastille, t'en veux une? Si, si, prends la pastille. Prends la pastille, t'inquiète. Ah. Hop là, je te la mets dans la poche. Mets les vitamines. Oui, on va arrêter les formations pour l'APS 09. Il est bloqué avec 77. Ça va pas bien du tout de leur côté. Donc, on va reporter.
On va repartir en patrouille, nous, de notre côté. Parce que depuis tout à l'heure, il s'amuse à faire des braquages de supérettes, à vendre de la drogue. Et on est là comme des cons en train de faire de la merde. Je prends l'hélico. Non. Clairement pas. Je prends la moto. Ah, si, si. Donc tout le monde, retour PDP, salle de dispatch, et le dispatch sera... Salle de dispatch. Affirmatif, capitaine, tout ce que tu veux. Je vais reprendre la Highway Patrol, vous allez voir. Ça va, une heure et demie de formation. Cette formation, elle est réussie ou pas? Elle était mieux sur la deuxième partie. Mais pas, bah, clairement, le rideau, c'est à chier, ça sert à rien. On est d'accord. Bah, t'as bien vu, hein, j'ai beau faire des tonneaux, j'ai pu repartir même s'il s'approchait de moi. Donc. Bon, après, théoriquement, non. Mais bon. Non, mais t'as pas le temps d'ouvrir les portes, de laisser les portes ouvertes, de te mettre derrière, que tes agents ils avancent. Mais bon, t'es braqué quand même par des M4, bon, tu sors quoi, normal. Alors là en soi, il y a les M4 parce qu'il y a le SWAT. Je te dis qu'en code vert ou en code jaune, vert, ouais. Le SWAT vous êtes tout rangé, il y a que les hauts gradés qui ont quelque chose. Et encore, on les a, mais on les a dans le coffre de la voiture, on les a même plus sur nous. On... Ouais, non, ouais. Non mais là c'est normal que j'ai plus de frein. Non mais là c'est complètement normal. Bien. Oui mais j'ai plus de frein là, t'as vu l'état de la voiture que vous me l'avez rendu? Ah désolé. C'est même plus une voiture, j'ai une Punto là, j'ai une Smart. Maman les plaquettes sont usées. Non mais là sont... Ça va, on le dérange pas lui. Mais la route on le dérange pas lui. Ah putain. Pas humain. Ah mais là elle est HS. Non. Ah putain j'ai trop... Bah non mais t'as vu comment il a percuté la bagnole. En vrai, quand on les percute autant, ils font exprès de dire qu'ils ont mal, qu'on les emmène aux EMS et ils pensent qu'on va partir. On les attend, là là j'ai coupé bah, parce que ça sert à rien. J'ai... Ça peut servir, mais faudrait faire la bombe, j'avais pas mal non plus, hein, c'est... Porte... Et... Bah si, en plus il m'a clairement percuté de mon côté. Bah pourquoi pas, ouais. Non, la formule en fait, était bien sur la fin. Elle était bien bien réalisée sur la fin, donc... Vous êtes parti au calme. 17, regarde, normalement tu peux... Vas-y, attends, je regarde. Ta voiture est magnifique. Ouais, bah... Demain... Bah, demain... Dispatch pour aller regarder là-bas, mais non. Demain, t'auras la chance de la voir comme véhicule d'escorte pour la Police Academy. Je sais plus comment t'as fait, t'inquiète. Ah, bah, t'es TA. Ah, calcul automatique, c'est incroyable. Bah, ta voiture, ouais, t'es TA, mais sans action. Ah, de jouer à Tetris, toi, espèce de trou de balle. Mais, bah, demain, véhicule, ça sera le véhicule escorte pour la Police Academy. Après, en fonction des agents, soit que vous êtes en bus, soit que vous êtes en voiture. Et on a... Et après, bah peut-être que t'auras une chance de patrouiller avec moi. 10, je te redonne le dispatch. Oh. Tu casses non, non, mais... Non, c'est au dispatch de 21h, entre guillemets, qu'on va mettre ça. Ah, d'accord. Le stop, non, ça va, zéro. Non, je... T'inquiète. Vous pouvez crier, s'il vous plaît. On crie déjà. Tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? C'est pas grave. Ouais. Bah voilà, bah c'est bon. Bon, la forme s'est bien passée sur la deuxième. Putain, un 0-1 de mes couilles là. Hein. Il m'énerve celui-là. Toujours en retard de toute façon. Bus. Oui, bus. Bus pénitentiaire en plus. On fait clairement un escorte. En fait, on vous prend directement en fédéral. Bah, de toute façon, le dispatcher, c'est soit moi ou soit 13, et...
Bah pour l'instant c'est plus nous en dispatcher et oui il y a moyen que au début je te prenne en patrouille et après bah on verra. Donc je disais avant que 01 arrive, la format s'est bien passée, la première fois bah ça a été compliqué mais en même temps vous apprenez sur le terrain. La deuxième, la course poursuite avec 09, j'étais plus derrière pour regarder en même temps. Il manque des cols radio clairement. Pour le véhicule qui était devant. Alors 13 il vous a dit de reprendre le lead unit parce que 13 il sait comment gérer. Hein. En plus je l'ai annoncé que je veux quelqu'un qui prenne le lead, mais non à chaque fois c'est de maintenant, devant. Donc quand on vous dit de reprendre, bah après là on était en formation, mais quand on vous dit de reprendre le lead, c'est bien que ça serait bien que vous puissiez le reprendre. C'est bon, là 13, moi je sais clairement gérer. J'ai confiance en d'autres agents. Je vais pas nommer pour éviter qu'il y en a qui se sentent visés et que les autres ils s'inquiètent. Et la dernière formation avec moi. Alors 07, pour moi tu m'as littéralement foncé dedans, mais bon on voit pas la même chose en ville, mais c'est pas grave. Bon. Mais t'inquiète, c'est. Je t'ai entendu que tu t'as dit que tu m'as pas touché, donc c'est pour ça que je suis reparti aussi. Et après bah faire très attention parce que là je t'avoue qu'avec 16 c'était. Ça te fait très mal de se prendre un véhicule en plein fouet comme ça sur le côté en plus. Non mais bien sûr, après c'était pas voulu hein. Non bah je me doute bien parce de toute façon. Il y avait les barrières donc on s'est pas vu. On fait. De toute façon même quand on est en course poursuite, on va pas s'amuser à aller arracher le véhicule qui est en face. Sauf s'il nous énerve vraiment trop, mais bon. Je pense qu'on déploie les autres moyens bien avant. Donc sinon non il y avait rien à dire, de toute façon on refera des petites formations aussi parce que bah, vous allez former les futurs cadets qui arriveront peut-être demain soir. Donc on essaiera de replacer une formation petit à petit juste avec les futurs cadets, on prend 2-3 agents qui sont sûrs de vouloir le faire. Et on fera des formations comme ça. Si vous avez quelque chose à dire, je suis là pour vous écouter. Je sais, la formation IDO a été trop longue à être mise en place. Même 09, je comprends pas qu'il veut la mettre en place. Elle est beaucoup trop longue à être mise en place pour arrêter un suspect. L'entonnoir, je suis d'accord, mais la formation IDO est beaucoup trop longue. Pour ma part, je pense que la formation IDO peut être utile des deux côtés. Bah, la formation IDO, pour moi, elle serait utile que si on encercle vraiment. Si on a comme il a dit 09, si on a 20 véhicules en patrouille, ce qui n'arrivera jamais, clairement, puisqu'on n'est même pas 20 agents le soir déjà seront en service. Mais oui, qu'on encercle vraiment le véhicule, ou limite qu'on en mette, qu'on aurait les 5 véhicules derrière et qu'on puisse en mettre 3 sur le devant pour éviter que le suspect puisse partir. Même 3 derrière, 3 devant et plus 2 vers sur chaque côté. Mais pour moi, la formation IDO est pas très utile. Après, je pense qu'on n'aurait pas le temps de les déployer quand on est en course poursuite. Du moins, quand le suspect s'arrête, on le braque ou on le tase, on les fait les coups de sommation déjà dans la voiture. Donc quand on l'arrête, c'est directement on le tase pour l'immobiliser ou on lui tire dessus s'il commence à s'échapper. Ne pas abuser non plus. Lui tirer dans les parties qui sont les moins fragiles. On vise pas les points vitaux. Voilà. En sachant qu'on fait déjà les coups de sommation en véhicule et que la plupart du temps on en vient à faire les pneus pour que le véhicule puisse s'arrêter. Et après bah, ils évitent de partir parce qu'ils savent ce qui leur attend. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Sûrement je pourrais en remonter à 09 aussi, hein, parce que bon c'est. Malheureusement, il y a eu un empêchement, mais c'est bien qu'il soit au courant de ce que vous en pensez aussi, si c'est bien pour vous ou si c'est pas bien. Personne? Rien à remonter? Moi, j'ai une question, mais ça n'a rien à voir avec les remontées, etc. Ouais. Par rapport à la. C'est dommage, avant, il n'y avait plus de monde. Mmh. Oui. Savoir si on doit être là ou pas, d'où les formats. Qui serait logique, oui. C'est formateur 94? Ouais. Enfin, je crois. Pas sûr. Recruteur.
Moi, ton CV, c'était marqué recruteur. Hein. Pas marqué recruteur formateur. Ah ouais, non, je pensais avoir eu formateur, excusez-moi. Après, si tu veux passer en formateur, tu... Bah, tu refais un CV. Bah, les CV sont fermés, donc... Ah oui, c'est vrai. Non, mais on a assez... un CV version Google Doc et t'envoies à 10. Pour l'instant, on a assez de monde. Sur tous les agents qu'on a à la PA, on a... tout le monde est présent à chaque fois. Quand je dirais qu'il y a du monde qui sera moins actif, on les rouvrira pour prendre des personnes plus actives. Mais 14, elle est là. 17, il est toujours là. 03 est toujours là. 13 et moi, bah, on est toujours présent. Et il y a juste 77, mais 77 a des problèmes, ce qui se comprend totalement. Donc bon. Et après, en recruteur, on n'a pas de besoin. Je trouve. 99, 22. Je trouve que vous gérez correctement. Quand il y a un CV qui tombe, vous arrivez à le traiter assez rapidement. Donc, avec 13, on arrive à ne plus en gérer, pour info. Donc, on arrive à gérer d'autres choses même à côté. Donc c'est bien. Au moins, on arrive à avancer sur ça aussi. Bon, bah, là, j'ai rien à dire par rapport au GL du SWAT, parce qu'en SWAT, tout le monde a leur GL respectif pour... Ceux du SWAT c'est bon, et ceux en patrouille c'est bon. Non, 52 la GOV. Qui? 52. Ouais. Bah 52, on te filera un gilet du SWAT. Ok. Et tu déposeras ton gilet dans le vestiaire qui pourra servir à un autre agent futur. Je vais aller le chercher où le gilet. T'inquiète, on ira après. Oui, 16. J'ai une question. Est-ce que je pourrais passer une formation du coup pour avoir un pistolet au moins à 9 mm? Parce que c'est vrai qu'on est souvent en code orange et puis avec du coup les Redbird en ville, c'est vrai que mon taser n'est pas très intimidant. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, cette formation, on la passe en officier. Ouais. Ok, ça marche. Alors oui, pour les cadets, on vous arme qu'à un moment qu'on est en code rouge et qu'on voit que c'est très très grave, et code noir. Après, on a totale confiance sur vous, on espère que vous faites pas de la merde. De toute façon, si on vous voit faire quoi que ce soit, vous savez que c'est fini, hein. C'est vous rendez la plaque et vous prenez la sortie. Non mais bien sûr, bah après j'ai eu pendant un moment du coup une mitraillette, donc légère, mais voilà, j'ai même pas tiré avec, donc c'est juste voilà. Non, mais c'est juste pour se protéger. Après, on sait que c'est pareil, quand c'est comme ça, le SWAT est toujours déployé en première ligne. Après, c'est les hauts gradés et on descend dans les grades, donc ce qui veut dire que les cadets, même que vous êtes armés lourdement, vous êtes toujours en dernière ligne. Donc vous êtes utile, hein, parce qu'on n'est pas non plus 150 en service. Donc vous êtes toujours utile pour défendre vos collègues qui sont devant ou derrière vous. Mais en soi, c'est pas vous les prioritaires qui allez tirer. Après, quand vous allez passer au FI 1, on va peut-être essayer juste de mettre avec 13 en place, juste faire une petite formation PPA, rapidos, mais juste entre nous. Au moins que vous sachiez utiliser une arme et qu'on vous donne pas une arme entre les mains et surtout à n'importe qui. Parce que j'avoue que les PPA sont pas disponibles en ville et c'est très compliqué. Après, nous on délivre un PPA pro, donc on n'a pas de certificat entre guillemets pour prouver qu'on a le PPA, mais ça serait bien qu'on fasse juste une petite formation. On a le centre de tir en bas, histoire que vous connaissez les règles du PPA, et je pense qu'on va mettre ça en place d'ici peu aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui part qui reste en patrouille et qui part qui prend sa fin de service? Je sais pas, moi j'hésite. Arrête. Il y a vraiment rien à faire, il n'y a pas eu une inter de presque la formation. Ce soir plus tard. 19 patrouilles. Je peux y aller? Oui, vas-y. Ouais, bonne soirée les gars. Bonne soirée. S'il y a rien, tu peux venir m'aider au moins en ville? Ou tu vas dormir? En ville? Ouais, pour mon projet là. Ah. C'est pourquoi tu sais? Oui, le dossier que t'as eu. Ah. Ouais, okay. Mais je vais faire une petite vidéo. Ah.
J'ai une question, récemment vous avez reçu des alertes Non, ça fait service. Une heure qu'il n'y a pas d'inter, c'est pour ça que j'ai hésité à me casser. Mais parce qu'on est pas mal en ville, mais c'est vrai que... Il n'y a pas une inter. 14 post service. Disette, t'as besoin de combien de personnes pour t'aider? Bah en vrai, non, j'ai pas vraiment beaucoup, hein. C'est un truc tout con que je vais faire. Un agent avec moi pour voilà. Et c'est bon. Donc si 13 est prêt à venir avec moi, c'est bon. Ouais, si toi peux me faire. Si je peux éviter de me faire chier en patrouille, ouais. T'inquiète, on va rigoler. J'ai non, bon, si c'est pour faire con, c'est pas peine. Non, je vous jure, la vidéo que je vais vous envoyer. Voilà, hein. Dis, j'ai peur. Bah, ouais. C'est avec moi qui danse. Non, je rigole. Bon, bah, 13 et 17, vous allez faire votre truc chelou, là, très bizarre. Non, c'est juste parce que... Comment t'as hésité ? Si je reprends ce que je veux reprendre, cette vidéo va aussi permettre de se renseigner sur cette division avant de la rejoindre. Ah mais tu sais, tu peux dire devant tous les agents, on s'en prend. Non, parce que je vais pas me prendre la tête avec 28. Mais il est pas là, et de toute façon, s'il a quoi que ce soit... Non mais t'as, mais toi t'es débile, hein. Quoi? Tu dis reprise de division et tu dis le matricule. Bah oui, donc bon, maintenant... Ça y est, là. t'es vraiment très intelligent, hein. Ça va être 0 à l'alcoolider. Y'a quoi? Il en fait même pas partie. Déjà, faut que tu sois leader. Ah oui, c'est vrai, merde. Parce que pour l'instant, t'es tout en bas. Oui, tout en bas. Mais t'inquiète pas, là, on fait la vidéo, je fais un petit montage, hop, j'envoie 09. Bah. Donc, 13 et 17, vous allez partir ensemble. 52 avec 16 ou 19. J'aurais bien voulu être avec 07, jamais été avec, et j'aimerais bien découvrir tous mes collègues, si c'est possible. Si. Tu veux, moi, 16, qui a dit ça? C'est 16. Donc, bah, 16 avec 07. S'il est d'accord, bien sûr. Ah, ouais, c'est bon pour moi. Non, mais c'est bien de justement découvrir tous ses collègues, c'est un bon point. Ça évite de toujours patrouiller avec les mêmes personnes. Ça qui est bien. 01. T'as une préférence entre... Oui, avec vous, mon capitaine. Ça, je m'en doutais. Et bah, tu partiras avec... Le cadet. Non, je vais m'occuper de son cas, 01. 52, je te laisse avec 19. Avec plaisir, capitaine. Il vaut mieux me faire chier. Non, je suis en pistolet, 01. Ah merde, oui, Je vous mets quoi que sur votre truc? Parce que vous avez pas patrouillé, donc je marque tournage. Tournage? Ah oui, ouais, tournage, ok, oui. Ah oui. T'inquiète, j'ai jamais fait de montage de ma vie, je vais me débrouiller. Mais je pense qu'il y aurait un problème avec le mise en service quand même. C'est bizarre qu'on ait rien reçu. Non, c'est juste qu'il n'y a pas d'inter. Non, le problème c'est qu'aussi on a été stalk à l'aéroport, donc les gens ont dit qu'on était en formation, c'est qu'ils ne sont pas possibles, ils n'ont pas possible. Vous pensez? Non, mais vous vraiment avez pas. Chier les cocos. Si, parce qu'il y a eu au moins 5 véhicules qui nous ont vu à l'aéroport et qui nous ont gardé. Crois-moi, tout à l'heure, avant la tempête, on était occupés. Crois-moi, tout le monde faisait pas mal des droits à faire. Juste que j'ai vu là, pendant qu'on était en format, j'ai vu plusieurs véhicules. Et toi? C'est prêt à t'habiller bizarrement? Moi c'est mort, je change pas de tenue. Quoi? Bon bah tu filmes, hein. Ah bah je peux pas. 52. Bah voilà, tu t'habilles en AEW Patrol. Tu as chapeau et tout, hein. On va faire tous les tenues. Arrive ta vie, non, t'as voulu. Ouais, je crois que je vais partir d'ici avec vous. Non, 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 quelqu'un. Alors, si tu prends ta fin de service et que tu restes éveillé, tu m'appelles, on va faire autre chose. Ah ouais, mais je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Ouais, bah allez, on va faire une petite patrouille. Au pire, on va jusqu'à la tempête, hein. Vas-y. Allez, 01, viens, que je m'occupe ton cul. J'ai pas envie de... J'arrive, mon capitaine. Vous voulez y aller, 07?
Je m'en fous, tu viens avec moi. Oui. Allons-y. Allez, bouge-toi. Allez, c'est pas bon, j'ai les pare-balles d'ici. Hein? J'ai les pare-balles. C'est où? Ah oui. Regarde si dans les vestiaires il y en a un du SWAT, mais ce qui m'étonnerait fortement. Ou sinon, rejoins-moi à l'armurerie. Vous l'allez patrouiller? Bon, après, je prends la fin de service, c'est pas de la tempête. On est quoi? On est toute zone ou? Oui, vous êtes du secteur. Tu vas faire pas 10 avec 13 après. Qu'est-ce que ça te revient, toi? Bah, histoire que je vienne taper l'incruste. Bah, de toute façon, tu vas taper l'incruste, t'as même pas le. T'as même pas pour jouer. C'est quoi? Vous avez une voiture ou pas? C'est FIFA? Non. Alors là, le jour que tu me vois sur ce jeu de merde, je me tue le lendemain. Vas-y, c'est quoi? Farming. J'ai 19, non, lequel? Le 22? Non, le 22. Ah, vous êtes trop riche en bon. Bah ouais, bah trop riche. Hein. Travail, hein, espèce de pauvre. Problème de riche. Comment ça, problème de riche? Ça fait 10... Ça fait 10 ans qu'il est sorti. Protection 13, début de patrouille. Allez-y, venez. Prends le... Voilà, ok. Et lui, je vais l'enculer. Hein? Je vais lui faire la faciale à lui aussi. Déjà, je vais m'occuper de toi. Ah, j'ai rien fait là. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va voir. T'as rien fait, tu casses déjà la voiture. Je l'ai pas touché. Il peut pas. Quoi? Faire. Ouais, me demande pas pourquoi j'ai dit production 13. Oui, bah je te demande pas parce que t'es trouvé un trou de balle, c'est tout, voilà. Ah frère, il me rend fou l'autre et je sais pas, je suis fatigué en même temps. De toute façon, c'est rapide la production en fer. Tu laisses ta cam allumée, c'est tout. J'ai laissé ma body cam faire, ouais. Bah ouais, voilà, tu laisses faire. J'ai clic dessus et si t'es pas content, c'est la même chose. Tu te fais des petits déplacements à droite à gauche et voilà, c'est bon. Ouais. Ah, mais j'avoue, 17! Eh oui, il est un peu con! Hein. 17, t'es mort! Tu vois, sur ma bodycam, tu vas faire des clics. Ah, il 52, il m'a appelé. Eh ouais, allez, bonne patrouille, nous on va sur de la production. Ouais, va produire. Ah, merci. Oui, 10 à 52. Alors, je vais à OLS Custom et j'arrive à la munition. Bien pris. Encore une patrouille qui s'annonce bien. Ouais, toi, je t'ai envoyé. Je sais même pas où je t'ai envoyé, mais je t'ai envoyé. Ah bon? Laisse-moi réfléchir. Je vais balancer quelque chose. Ferme ta petite. Je garde le silence. Petite question, si on me tire dessus et que je suis derrière ma voiture de service et que mon supérieur me dit de venir vers lui malgré que je risque de me faire tirer dessus, je fais quoi? Bizarrement, c'est à peu près les questions qui se rapprochent de la PA. Bizarrement, tu n'aurais pas le questionnaire de la PA et que tu serais en train d'essayer de me sous-titrer des réponses. En tout cas, vous mettez très bien Neymar. Hein. Et Neymar, je l'emmerde. Lui, c'est un simulateur professionnel. Moi, en soi, j'avais vraiment mal, mais je faisais semblant. C'était l'histoire. Mais par contre, ça va, vous prenez 200 ans à appeler des EMS, ça va, non. Le mec, il est coincé. Non, mais il y a une personne qui est coincée. J'ai ma jambe qui est coincée dans le volant, ça va, vous prenez 200 ans à appeler l'EMS. Oh, ça va, tranquille. Moi, j'ai dit, il n'y a pas d'EMS. Ça va, la bagnole, elle aurait pris feu en même temps, je cramais et c'était tout. Hein. On va être posé. Putain, et la rapidité pour appeler un EMS, il y en a et zéro. J'ai dit, moi, il n'y a pas d'EMS, j'ai dit deux fois. Ouais, bah, tes collègues, c'est des grosses merdes, hein. Le temps qu'ils prennent pour réagir. Mon seul point faible, c'est que je suis trop fort. Non, alors ton seul point faible, c'est que t'es faible, justement. Non, bah non. T'as pas de point fort, t'es une grosse daube. Quand 09 est pas au final, t'as vu comment je l'ai tartiné, bam, sur le toit là. Ah, mais voilà, c'est ça, voilà ton problème. Emballé, c'est pesé. Tu vois ton problème. Il l'a dit, non, mais 09, il a dit, c'était bien, c'était propre. Oui, bah oui, c'était tellement propre que tu l'as démonté sa grand-mère et. Vous n'avez pas assez de place, nique sa mère. Tiens, tu peux prendre mon Kevlar en attendant. Ça sert à rien, il est matriculé le mien.
Bah alors, faut quand même le mettre. Fais, prends mon Kevlar et tu vas voir comment tu la prime, elle va finir à la fin. Eh. Tu me menaces pas, moi. Pff, je te menace si je veux déjà. Pas gentil ça. Oula, ouais, ça fait beaucoup. Pas besoin de mettre autant. Hein. On cache pas un mug. Et en liquide, c'est bien. Absolument pas. Pourquoi tu dis ça? Bah, bizarrement, tu m'as demandé la dernière fois. Tu me redemandes là. C'est quand même très chelou. Vas-y, remonte les fleurs là maintenant, toi. Donc, je suis pas devant moi quand je tire, hein, vous risquez de prendre. Je suis pas passé devant toi, j'étais à côté de toi. Ouais, bah, les coups de crosse, ça part vite. La prochaine fois, tu veux jouer farming, j'ai jamais lancé le jeu. Si tu n'as pas envie, dis. Si tu n'as pas envie, ne... dis-le moi. Non, mais tu peux. Je vais peut-être attendre que tu rendes à la PA, voir comment ouais, tu. Ouais, j'ai juste. Bah, j'ai quand même. Putain, c'est qui m'a envoyé un message? J'ai juste à attendre, mais non, en vrai, avec. Tu pourras rejoindre 13, 14, elle est censée. Elle était censée nous rejoindre. 17 à Verto sans mise à pied. Oula. Après, j'attends juste de te découvrir parce que tu vois, avec 13, on a une bonne entente depuis un mois. Tu vois, faire venir des personnes, vache. Mais toi, mais je vais t'assommer, mais tu vas rien comprendre, hein. Mais je me mets juste prêt à partir. Et pourquoi tu veux être prêt à partir? Y'a pas d'appel. Bah oui, mais justement, s'il y en a un, au moins on est prêt à partir. Oh, le 52, j'ai perdu ou quoi? Et il faut que si déjà il y avait un concessionnaire. Il faut que ça laisse pas un conditionnaire. Et ta mère va bien sinon? Elle va toujours bien comme moi. On m'a encore pris mon véhicule, moi, pas couille, casse les couilles les gens. T'inquiète, le dirai dans le garage. Ouais, mais c'est pas fini. Là, enfin. Non, juste, je me souviens juste de ces deux questions que 02 m'avait posées. Ah bon? Ah, donc t'es en train de me dire que ces questions, c'est 02 qui les a... Ah... Putain, mais vous en prenez du temps pour aller chercher une voiture. En fait, on était au mécano, il n'y avait personne. Mais du coup, on avait croisé... merci. Je sais pas qui, et il nous a sorti avec. Ah bon? Ah ouais. Merci beaucoup. Bisous les pichetons. Ah... Je vais appeler Ryan parce que tout à l'heure il m'a appelé. C'est bien, vous prenez les appels qu'il n'y a pas. Adam 58, Startup Watch, secteur. Ouais, Ryan 52, pardon. Ouais, pourquoi tu m'as appelé tout à l'heure là? Ah, ben moi ça va très bien, toi. Non, en plus, c'est même pas une question, ça c'est une mise en situation. Adam 07, c'était quoi l'appel que vous aviez eu? Ils ont pété à caillot. Ah. Vous acceptez des bâtards, bah alors là c'est encore plus. Et dis, tu savais que Redbird c'est Caillou maintenant? Oui. Ah, bon, ok. C'est génial. Bonne nuit, je vais me coucher, bonne soirée. Bah bonne soirée, et bah demain en RP. Hein. Tu seras sur le live. Parce que j'ai fait live. Et tu seras dessus. J'ai hâte de voir ton perso. En vrai, Pomme, ça me dit quelque chose. Pomme, ça me dit quelque ouais. chose au niveau du FIB, bah, au niveau du Gouv, et je vois pas à quoi tu ressembles. Et en plus, là, tu es en tenue de civil, ça va être. Marina. Bah, tu es en tenue de sport. Sois à l'heure, par contre, parce qu'on fait pas de cadeaux. Faut pas faire beaucoup. Dans 10. Et Ryan, il a dit, t'es emmerdé, dis.
Bon, lui qui est jeu, hein. Non, il a pas dit ça. Non, la prochaine fois, il me fait une custom offerte. Ah, il a dit la prochaine fois, tu lui offres une custom. Ça tombe bien, ah, ça le dit. Il a démissionné, je pense. Pourquoi t'as démissionné? Pourquoi t'as démissionné? Ah bon? Il fout de ma gueule. Il te fout de ma gueule. Ah oui. À l'aide, à l'aide. Envoie ta pause que je le matraque, c'est bon. Envoie ta pause. Ah là, je suis plus à la marina, on roule, on est golf. Et... Non, 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 code 0, code 1. Là, on est au milieu d'une intersection marina. Là, on part à 4 km du golf. Ouais, on part en direction 4 km du golf, direction PDP. Enfin, on va pas PDP, on va pas PDP, on va direction PDP. Je sais pas où on va. Alors, là, on est à côté du ULS. On a pris la route normale. On est à côté du ULS. Notre autoradio et les portes à fermer, s'il vous plaît. Bien dit. Oui. Il vient de me dire qu'il faut deux mecs en plus et qu'il faut deux motos en plus. Là, on est, Bah, deux motos, ça va être compliqué. J'en ai marre, tu veux pas venir m'aider à où je le frappe? Bah, deux mecs, si j'arrive avec 0-1, ça fait 2, mais deux motos, j'ai pas les chiffres. Ok, je vais les demander les motos. Bah, ouais, parce que j'ai pas les fabriquer, moi. Vas-y, on peut attendre sur la pause. Pour vol de véhicule, mon commandant. Je vais remonter de l'action d'or. C'est un malin. La radio, s'il vous plaît. C'est tentative d'homicide volontaire. La radio, s'il vous plaît. Toutes mes excuses. Ah bah on va faire des rappels demain, après-demain, et jusqu'à ce qu'ils comprennent tous ces putains d'agents de mes couilles là avant que je les mette en mise à pied. À gauche. On est sur l'autoroute direction nord, Ryan, tu peux pas nous louper. Ah t'es dégueulasse. On est d'accord. Ah t'es dégueulasse. On est d'accord. On va arrêter avant la bretelle de sandwich. Tu pues le seum. Je vais t'envoyer une pause, tu peux venir s'il te plaît. On a... Oui, tu m'entends? Tu vois de banal, c'est... Vas-y, je te laisse, Ryan. Mais non, mais on est sur un truc de production, on ne ramène pas ton enculé de service, là. J'en ai marre, il faut un mec, après il me fait, ouais, il faut trois mecs en tout, après il me faut des motos. Et moi, je veux changer cette tenue, elle est dégueulasse. Moi, qui me fais changer de tenue, tu vas voir. T'es moche, 13. Je sais. C'est quoi cette tenue? Moi, je change pas de tenue aussi, hein, il fait merde. Mais de toute façon, j'ai vite tenté, il peut aller sur feu, ça. Bah moi j'ai ouvert la vitre passage de... Oui, tu l'as cassé. Bon, non, je l'ai ouvert. Tu veux que je la referme pour voir? Ouvert. Tu veux que je la referme pour voir? Je l'ai ouvert. Tu veux qu'on fasse quoi après le bouquin? Je l'ai ouvert. Un 10. Hein? Tu veux qu'on fasse quoi après? Soit de tout à l'heure ou autre chose. Ouais, soit t'as l'air, soit le R. Le 6. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Et regarde, elle était pas cassée, elle était ouverte. Elle est cassée, ta gueule, elle est cassée, là. Mais elle est pas cassée, là, ma vitre. Pardon, mais tu veux que... Si, elle est cassée. Elle est clairement cassée, ta vitre. Elle est pas cassée, donc elle est pas cassée, c'est tout. Non, c'est juste que tu l'as baissée, Qatar. Eh, c'est toi qui l'as baissée, donc c'est normal que tu la vois pas cassée, trop de balles. Elle est clairement cassée, espèce de grosse merde. De toute façon, tu... ta gueule, et toi, mise à pied, celui-là. C'est toi qui nous va travers. Refais-moi un doigt, tu vas voir. Merde, ah, vous voyez les doigts d'honneur. Non, non, je les vois pas, espèce d'abouti, t'es à côté de moi. Bah, je sais pas, ça fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure que je les vois, espèce de trou de balle. Monsieur la police, tout va bien? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, je sais pas, pensez que vous étiez en panne, vous avez un problème, vous arrêtez sur le bord de la route. On est en contrôle routier. Ah, d'accord. Je parle encore mal, je suis une bavure, d'accord. Quoi? 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 Qu'est-ce qu'elle est là? T'as ton abruti de pote qui veut faire
17. Et pourquoi ils tombent pas à gauche là, c'est qui ça? Bon allez, moi je vais rouler là. Allez, ouais, Zubi. Ouais. Musique à fond. Il me faut les motos et les speedy. Mais il est où 17? Je sais pas. Non, parce que bon, je veux bien, mais on va pas rester ici pour ouais, lui. Il faut les motos et les speedy pour ça. Et il est sous de ma gueule lui. Pour les gens superware. C'est pas qu'on est un peu en plein milieu de l'autoroute, mais bon. Il doit y avoir en fait un problème avec les appels, hein, parce que du coup, il y a bien des appels, mais on les voit pas. Bah non, il y a pas d'appels. Si, si, parce que tout à l'heure, 07 a pris un appel, mais on voyait pas c'était quoi. C'est non, parce que fait, c'est un appel qui date de il y a longtemps. C'est le dernier appel, c'était le code 2 qu'il y avait à l'aéroport. Ok. Mais... il répond plus, ce clochard. Ouais, c'est pourquoi bon. Du coup? Il me fallait deux motos et les speedy. Oui, alors soit tu mènes ton cul, tu viens maintenant, soit on se casse tous. Mais comment ça, tu fais ta tenue? La moto, je les sors comment alors? Bah, dans ton garage personnel. Mais moi, je la veux pas, ta tenue, viens la récupérer. Okay. Attends. T'as 10 minutes, max. Après, je me casse PDP. Bon, bah, non, on attend pas 10 minutes, on va s'arracher. Hein. Ah mais moi la tempête je suis là plus là. Ah mais moi aussi après la tempête frère c'est soit je suis sur je suis en train de cultiver des champs. Ah en plus on en a un terminé sa mère. Quoi on en a un terminé ça c'est vrai. Soit sinon moi je vais me prendre au ça hein. Là normalement il doit avoir la référence quand je parle de ça. Vas-y viens. Ou je vais prendre une nomade mais ça je sais pas encore. Bah si viens prendre nomade ou ça. Non sinon on a un champ à cultiver. Bah, je m'en bats les couilles de ton champ, moi aussi j'ai des champs de bœufs, des pieds de bœufs là à cultiver. D'accord, saute parce que je fais Est-ce que je peux claquer une herse quand ils ont 17 il arrive? Bah non. C'est les motos. Comment? Mais il sort de son cul les motos peut-être. Ah oui. Non mais il aurait été chercher la prison. C'était un peu le but d'appeler 07. Non, il est parti chercher la prison. Oui, il est là derrière. Là. J'ai dit d'aller. Il m'a dit je laisse en roue les motos, j'étais dans ton garage à toi, privé. Je sais pas si tu l'as compris. Il est parti les chercher à Pékin. En soi, j'en ai bien une dans le coffre, mais bon, avec le four à 13, le micro-ondes, le frigidaire, je crois que j'ai plus de place. Hein. Les portières que tu sèmes. Oui, j'avoue, il y a les motos dans le coffre en plus. Les portières que tu sèmes aussi. Oui, j'ai les motos en miniature qu'il y a dans le coffre. Hein, parce que bon, entre ton four, ton micro-ondes, ton frigidaire, je vois pas où y aller à la place. Hein. T'inquiète, qu'est-ce que je fais? Attends, je vais chercher un pain au chocolat dans le coffre. Allez, bah tu vois, il a cru que c'était une garderie hein, pendant qu'il y a sa bagnole qui est à côté. Je suis là, ouais. Là, par contre, il y a un truc que je peux faire, mais comme il est pas là, ça sert à rien. Je prends la voiture, je m'avance et il se casse la gueule. Et deux une. Il en faut combien? Juste deux, je crois. Ok. Vas-y, ramène-moi là-bas. Merci, tu gères 07, hein. Mais pourtant, ils ont leur moto de perso. Ouais. Quoi? Allez, tiens ta mère. Annie, ta mère. 10. Quoi? Devine ce qu'il me dit. Bah quoi? T'es sûr? Bah oui, je vais pas rester planté là sous la flotte. Il me fait, je trouve pas le pantalon, mais en fait c'est bon, je trouve le pantalon. Mais pourquoi il est reparti faire une tenue lui? Vous répétez, c'est mort au niveau du RS. Parce qu'il lui faut deux tenues, vu qu'il y a deux motos. Mais qui va prendre la deuxième tenue? Bah lui. Mais il va pas conduire deux motos. Non, moi je conduis une moto. Lui il conduit une moto. Ah donc tu vas être obligé de mettre la tenue. Ah rip. Et sa mère, et vous je pense que vous allez faire les méchants. Allez. Les méchants. Merci. Les méchants, je vais foutre les gyros. Les autres ils vont rien comprendre, ils vont faire putain mais ils poursuivent. À tout moment on peut, rafale 17 du coup. Sorte d'avance à 14 et ouais. À tout moment on rafale 13 et 17. Adam 16, on est prêt, vous êtes où? Et vous du gouvernement? Je vais raccrocher Nîmes, ma femme à la tête. On arrive.
C'est-à-dire que là, je suis en train de laisser la dame 07 et 52. Tout ça pour un truc de merde qui va prendre 10 minutes là. Non, mais il y a 77, elle en pas plus là-bas. Non, mais elle est avec 09. T'inquiète, vous êtes en prod. Donc c'est bon, ils sont 3. Ah ouais, putain, le prod, comme il écrit. Il a eu mal le R. Hein. Des appels de renfort. Ah mais attends, mais 02 il a pas fait ça. Mais attends, 02 il est avec qui? Bah avec 77 et 09. 77, 09, 14, pas l'hôpital. Non, 14, je crois qu'il a pris sa fin de service. Hein. Vous êtes content d'être avec moi, capitaine? Non, pas du tout. Si, si, on le sait. Ça sert à rien de se voiler la face, hein. Clairement pas. Et voilà, allez, voilà. Où est l'équipe? On dépêche ta grand-mère, il y en a qui veulent dormir. Et il y en a, tu remets ton habit, toi. Est-ce que t'as. Dans ton bureau, là, sur ton PC, c'est sur ton ordi, dans ton bureau, est-ce que t'as installé R6 10? Oui! Ah bah c'est parfait, mais alors voilà! Ne me casse pas les couilles, toi! Comment les bon, allez, dépêche-toi, moi j'ai au lieu d'aller cultiver tes champs de bœufs, 10 là, tu vas me dire. Mais nique ta mère, laisse-moi cultiver mes champs de bœufs! Et tu me gardes un ou deux grammes de côté quand même, non? Tu me gardes 2-3 ans de côté, 10. Bah non, clairement pas. On va te faire foutre. Bah moi je sais que. Non, vous voulez faire quoi là? Parce que bon. En fait, ok. Faut vous. En fait, ça va être très court en fait. Vous passez à fond de balle, nous on monte sur les motos. Et c'est qui filme? Bah, c'est la GoPro à 13. Et il y a la mienne qui peut filmer de l'autre côté. Ouais, parfait. Oh, j'aime bien ce qui se passe là. Tu veux que je me mette en mode cinématique? Donne ton chapeau, 17. Mais fille de la mère, c'est le chapeau du lit du nid. Je m'en fous. T'as cru que j'allais donner mon chapeau? C'est un ordre, sinon je fais même pas ton tournage. Arrête! Ça on appelle ça du chantage, probablement. C'est pas du chantage. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir le casque de merde. Pour avoir le chapeau, il te faut la cravate. Juste comme ça. Oui, d'accord, je m'en fous. Ah, le bâtard, il m'a bien niqué. Mais non, mais parce que après la présentation des tenues, ça va pas être bon. D'accord, je m'en fous aussi. Et à prendre en compte aussi que normalement c'est manche longue obligatoire sur une moto. Allez, dépêchez-vous, bordel, là, il reste 15 minutes. Allez, dis-moi. Bah, il vu mon chapeau. On n'est pas sur les motos pour commencer, en cul. On fait du repérage. On fait du repérage. Mais pourquoi il y a 3 motos? On est 2, pourquoi il y a 3 motos? T'en as demandé 3, tout le chat. Pourquoi je peux accéder à mes armes? 13! Ouais. Tu t'appelles 10 ou tu lui envoies un message quand on peut partir, mais on va aller prendre de l'élan plus haut là. Vas-y. Ah, tellement que je vais prendre de l'élan. Tu veux appeler Eto? Non, bah non. Je sais pas, on arrive dans 10 minutes à peu près. Non, ça je vais juste reprendre là sur la sortie. Ouais. Au lieu de se filmer sur bord d'autoroute, moi tu sais, je les aurais plus filmés en partant d'une bretelle, tu vois. Genre, je les aurais mis là. Là où on est, tu sais, tu mets les deux motos là et. Bah, il a l'aide de ma GoPro au pire, donc. Attends. Attends, faut qu'on ferme nos fenêtres. Bah, tu l'as cassé ta fenêtre, quoi. Mais la fenêtre, elle est pas cassée, arrête. Si, elle est fermée, elle est cassée, la fenêtre. Elle est pas cassée, elle est cassée, la fenêtre. T'as qu'à venir sur ma GoPro, tu verras qu'elle est ouverte. Mais moi, je te dis qu'elle est pas. Connard. Quoi, tu vas faire? Ouais, bah qu'est-ce que je vais faire? Bah, vous allez voir, on va se retrouver. Et... On va se retrouver nulle part, je vais faire mon blé et tu vas fermer ta bouche. Oh, merde, il m'envoie un message. Merci, c'est au lieu d'aller faire ton blé là. Tu me fais pas chier, toi. Je te fais pas chier, on joue tous ensemble. Mais qui dit que je t'aime? Bah, vous m'avez affecté avec vous, c'est vous m'aimez bien. Non, j'ai dit que je m'occupais de ton cas. Bah ouais, bah du coup, moi, c'est quand j'aime pas quelqu'un, je m'occupe de son cas, mais pas en patrouille, je m'occupe de son cas, genre dans mon bureau.
Non, parce que c'est chelou dans le bureau. Bah non. Le but d'un bureau, c'est de convoquer les gens, tu veux souder. Mais putain, j'arrive pas à retrouver mon bouton cinématique. Ah, c'est dans ton muscle F5. Non, l'autre. Quand t'es en voiture. Hein? Tu sais, t'as un truc, t'as un bouton cinématique quand t'es dans un véhicule. Ah bon? Ouais, mais c'est vrai que toi t'es né un jour férié. Moi je connais que les modes cinématiques. Genre dans, tu sais, dans tes préférences. Ah oui, mais ça c'est fait, mais l'autre. Ouais, moi je connais que lui. Voilà. Voilà, vue cinéma, ta soeur, voilà. Mais j'ai rien dit. Mais ça marche pas la vue cinéma. Oh, il faut qu'il arrête de marceler lui. Je vais mettre les jurons pour casser leur scène, il va rien comprendre. Je peux les faire tomber. Tu me pousses. Bon, c'est bon là. Et là, on les a déjà perdus, hein. Tu te caches dans le trou, tu sais, c'est réglé. Hein. Ah ouais, mais putain. Putain, vous tracez trop. Bah ouais. Le temps qu'on monte sur les motos, vous étiez déjà partis. Et j'aurais clairement fait demi-tour ici, hein. Ah, je peux la faire au ralenti, hein. Ouais, ralenti, voilà. Ouais, mais venez plus tôt, hein. Ouais, ça va, bah... oui, là, tu te fais, oh, hein. Je le percute. Là, il est en train de se chier sur le froc. Oh, il a failli se prendre le poids lourd, il aurait rien compris. Eh, hey, tu le tasses quand tu es sur sa photo. Après, il a dit de passer à toute vitesse, je suis passé à toute vitesse, et encore. Et j'étais pas à 300. Tu passes doucement dans le tasse d'un chacun avant que tu aies t'embrouillé sur la moto. Bon, bah, je mets le régulateur à quoi, 10? Non, à 130, je pense. Plus bien, 130. Tu as combien quand tu es passé devant eux? Je sais pas, je suis descendu, j'ai accéléré, hein. C'est U. Mais hey, putain, mais ce soir, vous avez un problème avec votre chat ou quoi? Guide, fin de service. Ça serait bien qu'ils se dépêchent, il y a quand même tempête dans 10. Bien pris. Ah, mais si Marcel de message, je vais pas bouger, hein. C'est ça le problème. Je vais juste enlever ça. C'est moche. Ah, ouais, mais regarde. Oh putain. Ouais, c'est bon là, c'est propre en vrai. Ralente un peu. Je crois qu'il faut qu'il rattrape après. Ouais, c'est bon. Bouh, chiotte les chiottes. Stop your finish. Stop qui? Un beau long métrage. Stop le véhicule, il a dit, il a pas le temps de venir dans la phrase, il a dit. Je crois que tu l'as là, c'est bon. C'est bon, ça va être parfait, je vais couper juste avant la chute. Monsieur Rupeli, tu aurais précisé d'avoir un Adam sur... Allez, hein, moi je cherchais mon véhicule. Attends, donne ma tenue, donne ma tenue. Va au véhicule, s'il te plaît, 10. Je crois qu'elle était parfaite, la fin. Ça fait une bonne scène, venez chez nous. Je dois filer lui, qu'est-ce qu'il fait? LSPD, stop lui, on réfléchit, il fait une sauce par an. Hein? Qu'est-ce qui est 10h et tout? Je sais pas.
Heureusement que j'ai ralenti un peu ce bordel. Tu sais que j'ai littéralement cru que j'allais canner. Je sais pas comment je suis décédé. C'était pas mal. À la fin, je pense que tu peux la mettre pour dire on vous recoute. Voilà, voilà le test à passer. ça peut passer, hein. Si tu survis d'un accident de moto, c'est bon. On y va en moto. Oui. Allez, on y va en moto. À mon avis, tu vas compter plus de morts que de réussites, hein. Putain, ma porte, voilà. T'as un survécul. Mais il fait quoi? Pourquoi il se rabat devant moi? Mais vous êtes des fous. Mais il s'est rabattu devant moi, ce truc de balle. Pourquoi tu te rabats devant? 14/13, non, c'est pas réglé. Ah, si, il est à 13, il retombe l'été. Eh, si tu dis, c'est un pur véhicule! Eh, laisse fini! Ah, bâtard! 07 en direction de la vente de. Mais moi, reste sur les roues! Sur la route! Moi, reste sur les roues! Suite en pèse dans 6 minutes, c'est de faire un tour des effets. Au chat! Oh, le bâtard! Et j'ai continué, hein. Oh, oh putain. Ouh. Ouais, c'est bon, il y a trop de pilotage là. Voilà. Hop, calé. Mais va te faire enculer! C'est pas un parking, hein! Il se garde devant, il est fou lui! Vite ma mère, je te roule dessus! Je te roule dessus! Non, du putain, un câble là, putain! Mais il est où 13? Il est pas, il est toujours pas arrivé! 07, code 138! Arrête! Derrière le gouvernement. Aïe! Fils de. Toi, tu vas voir on comment se calme, je vais. Les jeunes. Mais non! T'arrêtes, je peux le dire! Mais t'es trop con! Colle-moi 10. Ah non, je peux moi, même pas. Est-ce qu'on a un gars qui peut soigner la santé au niveau du garage? On a que 0-1. Alors. Ouais, 14. Est-ce qu'on peut soigner là? 0-1 pour 14. Y'a qui? Y'a quelqu'un qui peut soigner? Oui. Eh l'enculé 13 m'a tenu! Il est même pas là 13. Il doit me donner ma tenue là, je dois encore faire des plans moi! Arrête de me terminer espèce de con! Viens, je peux l'emploi, mais grouille-toi ma tenue! Mais il me faut ma tenue. Vous avez pas l'air de tip top là, vous avez. Est-ce qu'il y a une dame pour me prendre au PDP s'il vous plaît? Ah, 14, c'est au PDP? Oui, j'arrive. Ah putain, c'est même pas possible. Tu peux descendre au garage du PDP du coup, s'il te plaît? Je pense pas, j'ai que 2. Ah, 02, fin de service, bonne soirée à tous. Si, bonne soirée, merci pour votre véhicule 02. Bonne soirée. Y'a pas de problème, pas de problème. Oubliez pas de mettre la rediffusion de votre GoPro, hein, parce que sinon j'aurai de l'air d'un con. Espèce de con, elles sont activées. Mais 13, des fois il est pas là, il les met pas. Bah, t'as qu'à lui demander à lui, pas moi. Bah, moi je sais pas, hein. Je suis un fan, oui, mais sans lettres. T'es un bâtard. Dans le parking du PDP, là j'ai 10 et pour te soutenir en tant que capitaine. Ah bah. Merde! Oh, elle est là. Regarde quand le capitaine en premier. Bah en fait, j'ai frappé 10 sans vouloir. 10 mon ami. Madame 07, vous procède à un contrôle routier, donc code 138. La personne n'a pas la carte grise du véhicule, donc possiblement un véhicule volé. On va procéder à une fouille, voir s'il a pas des. Attends, il raconte sa vie là, je le connais. Il était près d'une vente de drogue.
suivi de stress, pas besoin de prévenir de tout ce que vous allez faire, vous pouvez juste informer. Ouah, il a reconnu sa vie. Ça va, capitaine? Je vous ai défendu, hein. Ouais, j'ai vu, mais bon, t'aurais pu attendre qu'il me relève. Oui, ouais, bah ça va, c'est... j'ai réagi à chaud. Mais putain! Merde! Arrêtez! Tu veux rester comme moi, je m'en bats les couilles, frérot. Allez, bah vas-y, on met un KO pour entier. Aïe! Putain, mais. Quel manque de bâtard! Voilà, voilà, partez! Oh, pardon, c'est ça avant la tempête, s'il te plaît, 0-0. C'est 17, le putain de trouble, c'est pas moi! Mais vas-y, redonne-moi un coup, au moins que je t'ai honte. Putain, mais c'est pas possible. Oh, c'est ça là, les speedy. La castagne. Ah, j'ai deux catastrophes surtout devant moi là. Ah oui, j'ai pris aussi le pantalon de course là, et de moto. Merci 14. Putain, heureusement que 14 elle est là, sans elle on ferait rien. 17 aura bon, ta... ton équipement demain. Mais non, mais je dois faire des choses pour ce soir. Mais quel con, lui, il sert à rien, très. Mais pourquoi tu lui as donné aussi? Mais pour faire le court-métrage. Oh non. Merde, le Kevlar. Regardez, j'ai pris les trucs des motos, là. Truc collant à la peau, là. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, je vais dans mon bureau, moi. 10 soins de service. 17, 20 service. Le roi, fin de service. 17, demi-tour. Slide. 17, fin de service. Mais t'es vache dormir dans ton bureau? Ah bah non, t'en as pas, excuse-moi. On a les bureaux, ici. Les bureaux, t'as pas de lit, t'as pas de canapé, t'as pas d'écran, t'as rien. Tu vas dormir sans rien du tout. Allez. Cut le live là. Merci d'être passé sur le live. Je vous dis bonne soirée. Voilà. Et à demain pour la PA. PA 21h donc ouais. PA 21h. Donc peut-être 20h45 où je lancerai le reboot. Bonne soirée.